Bonjour, comment Bonjour, allez-vous? bonjour, bonjour monsieur, je m'appelle François Pignon et je ne comprends pas ce que je fais là. Accepte, François, accepte. Accepte quoi? J'accepte, oui, j'ai accepté monsieur, mais je ne suis pas consentant. Mais acceptez quoi, je comprends. Faire. Mais bouge ta mère. Non, mais arrêtez. Oh, serrez-vous la pince, excuse-toi. Je te serre la pince. François, check moi ça. Tu m'entends, mais c'est quoi un check? Un check? Ah, il sait pas c'est quoi un check, explique-lui. Prends ma main. Regarde, c'est comme, c'est ça. C'est un check. Voilà. Désolé, mais chez moi, on ne fait pas ça. Chez toi, on fait quoi? Chez toi, François. C'est quoi chez toi? Chez moi, on serre la main. Ah ouais? Et chez nous, c'est quoi par exemple? Et vous? Je ne sais pas, mais nous n'avons pas les mêmes coutumes. Mais tu qualifies qui par vous? Je n'ai rien d'autre à faire. Je me présente, monsieur Mathieu. Je suis à la base de tout ça. J'ai un peu vos fiches de manière un peu différente. Et je crois qu'il y a beaucoup de racistes. Il va y avoir beaucoup de racisme sur ça. Oh non. Ah si. Bonjour. Excuse-moi. M'entendez? Du Périgord. Ah bonjour. Venez deux secondes s'il vous plaît. Vous appelez comment? C'est aussi la première fois qu'on me dit ça. Moi c'est Tom. Ouais, ok Tom. Champion d'aviron. Oui, je vois qui vous êtes. Essayez de vous sociabiliser un peu, vous êtes tout seul dans votre coin, moi j'aime pas les personnes mystérieuses. C'est un peu mieux que fermier. Vous êtes le présentateur, c'est ça? Exactement. Quel mauvais genre vous avez. Mauvais quoi? Mauvais genre. Ça veut dire quoi? Vous dites ça dans vous sortez d'une poubelle. Ouais. Bonjour. Bonjour. La petite lucarne. Comment allez-vous? Mais gros, regardez-moi, c'est perdant. Qui est trop bien fait? Ah t'as vu, j'ai des beaux pecs. J'ai déjà vu à la télé, moi. J'ai des beaux pecs. Mais je t'ai déjà vu, toi, au match de foot. Quel match de foot? Mais déjà vu, moi aussi, un match de foot. Les Vanholstar, là, la télé. Ah si, même j'étais gaze. Mais oui, même tu t'es cassé l'épaule parce que tu t'es pris un petit coup de poule par l'Espagnol. Bah non, c'est pas moi. C'est pas moi. Eh Mathieu, dans l'émission, j'ai une question. Ouais, monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, c'est vous qui présentez l'émission? Oui, c'est moi qui vous gère. L'émission, monsieur. Je sais absolument tout de vous. Attendez, venez. Venez. C'est pas ici l'île des survivants. Mais l'île des quoi? C'est l'île des fous là. Mais attendez. Non, c'est surtout pas l'île des racistes. S'appelle Ousmane. Mais comment ça? Il a dit, je suis Ousmane Dembélé, mais je suis pas noir. Il c'est un raciste. Tu t'appelles Ousmane Dembélé? Bah oui. Bah il a le droit de s'appeler Ousmane Dembélé. Bien sûr, il a dit que t'es pas noir, t'as pas le droit de t'appeler Ousmane Dembélé. Mais oui, bah, c'est quoi cette réflexion? Mais qui appelle son enfant Ousmane et qui ressemble à ça? C'est quoi à ça? Au personnage. Quel personnage? Excusez-moi monsieur, est-ce qu'on est sur l'île d'Abstein ici? J'ai entendu parler. Tu connais ces présentations? Non, c'est pas l'île d'Abstein, ça n'a rien à voir avec cette île-là. D'accord. Néanmoins, elle est pas loin. Cet homme juste à gauche vient de là-bas. Je vais la récupérer. Elle est là-bas, votre femme? Je vais tout arranger. Non, ma femme m'a quitté avec un copain du ministère. Du ministère de quoi? De Pardieu. Attendez, parce que là, il y a deux affaires différentes. Abstein, Depardieu, on est sur quoi exactement? C'est quel... Einstein, c'est le grand savant. C'est une affaire très très simple. Ma femme m'a quitté avec mon meilleur ami, Jean-Patrice Benjamin. Mais il a que des prénoms. T'es un peu un mec loco. Oula, j'ai du mal avec la nouvelle génération, moi. Mais loco, mais vous savez pas ce que ça veut dire, loco? Toi, c'est vraiment le vieux raciste de merde. Hein. Wow. Mais excusez-moi, et vous avez perdu vos... Je suis pas raciste, monsieur, je m'appelle François Pignon, je n'ai rien de raciste. Eh, hey, toi, filme mieux que ça ta grand-mère. Filme mieux que ça, c'est quoi ce caméraman de mes couilles là? Filme mieux que ça, c'est quoi cette manière de filmer là? Je t'ai embauché pour quoi moi? Je vous ai payé pour quoi moi? Filmez mieux que ça là, vous êtes tous les deux au même endroit! Vous filmez la même chose! Vous filmez la même chose! Mais écartez-vous! Bonsoir, bienvenue sur le bateau. Ouais, ta gueule. Ce serait possible de baisser le son du bousin? Personne va baisser le son, on va démarrer, c'est quoi ce son de merde là? Mais c'est ce qu'on essaie de expliquer de l'air, chauffeur. Mais je vais péter un plomb. Eh hey, Camille, qui a mis sa radio de merde là? Y'a pas de radio. Chauffeur! Vous êtes un participant? C'est une interview là, on est sur Bouscapé? Ok, non mais j'ai bien compris, je vous laisse tranquille. Et moi la musique était pas mal. Bon, qui vous êtes? Vous vous appelez comment? Vous êtes sûr? Vous voulez parler? C'est bon. Tu vas me dire moi, ton... Je m'appelle Jacques Boulon moi. Et vous? Ah tu me fais déjà chier. Ok. Et toi tu t'appelles comment devant? Richard, mais j'ai peur que vous allez dire d'aller me faire enculer si je vous le dis. Non, Richard comment? Richard Pastel. Ok, super intéressant. Ah bah je m'en doutais. J'ai vos fiches, je sais ce que vous faites dans vos vies, je sais ce qui se passe dans vos vies. Oh. Et ça me fait bien chier. Ah ok, vous aimez pas les fermiers? L'agriculture ça vous parle pas? Super. Oui, je suis raciste. Ah bah on a un point commun.
bah incroyable. Vous êtes raciste de tout le monde? Ah vraiment tout n'importe quoi, vraiment. Ah ouais, n'importe quoi, c'est plus n'importe qui. Ah ouais, c'est vraiment le racisme. Ah non, racisme, il est vraiment élevé. C'est du on est dans le quoi, on est plus dans le qui là. Ok, tout de suite, top 10 des races. Ah, vous êtes sûr, on est... Allez, la caméra, pardon, on verra ça plus tard. Voilà, on verra ça plus tard, on fera ça entre nous. Sautez tous de votre bateau, tous sur l'île. Suivez-moi tout le monde, suivez-moi s'il vous plaît. Très jolie madame. Oui, merci. Vous êtes présentateur et vous draguez les participants. Tu vas me faire chier longtemps toi, j'ai plus le droit de parler aux gens. Ah non, si, je demandais juste. Eh, on n'est pas dans ta cité ici, donc tu vas te mettre là-bas et tu vas arrêter de me casser la tête. C'est pas parce que je m'habille en jogging que je viens d'une cité. Oui, ok, foot corner, allez. Alors, vous savez sans doute pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non. Ok, vous êtes sur l'île des survivants et vous allez tous être des survivants. Aujourd'hui, je vous propose de changer votre vie, vous avez une vie de plouc, de misérable. Votre vie est éteinte, vous avez tous des problèmes dans votre vie et vous le savez. Vous venez ici pour gagner une grosse somme d'argent et devenir une star du lendemain. Avoir de gros projets, pouvoir les réaliser, pouvoir, si vous voulez, refonder une famille. Pour certains, j'ai vu vos fiches personnelles, votre femme vous a trompé. Pour certains, il y a des décès. Pour certains, vous êtes des fils de pute. Donc à partir de maintenant, vous allez appuyer sur Reset, mais il faudra gagner le grand jeu qui est l'île des survivants. Il va y avoir un tirage au sort, il va y avoir deux groupes sur deux îles géantes. Ici, vous êtes sur l'île des épreuves. C'est ici que vous passerez des épreuves dans le futur. Je vous expliquerai ce qui va se passer. Vous serez chacun sur deux îles de plage et vous devrez vivre de manière collective, vous devrez être une famille, une équipe, et vivre ensemble. Est-ce que vous savez le faire? Oui chef, oui chef. Oui. Ça vous va jusqu'à maintenant? Oui. Vous allez devoir trouver de la bouffe, trouver à boire, trouver de quoi subsister, vous entendre, dormir. Ta gueule le vieux, ta gueule! Vous allez devoir voter contre la personne que vous supportez le moins, contre la personne que vous trouvez le plus dangereux, contre la personne qui vous pose des problèmes. Et cette personne sortira définitivement de l'aventure. Il n'y a pas de bienveillance ici. Je veux des gens qui veulent gagner, qui veulent détruire les autres. Des hypocrites. Est-ce qu'il y a des hypocrites ici? Ouais, moi ouais. Je note. Un hypocrite dit pas qu'il est hypocrite. Merci. C'est bien, foot corner. C'est ce que je voulais entendre. Ça veut dire que c'est lui l'hypocrite. Exactement. Il y a deux épreuves par soir. Une épreuve collective et une épreuve individuelle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, vas-y. Moi, en fait, vous avez dit plutôt qu'il faudrait en fait récolter des choses, construire des choses, etc. Mais du coup, comme on est sur une île et qu'on respecte du coup la nature, est-ce que on peut abattre les arbres ou pas en fait? Des arbres ou des arabes? Non, les arbres. Les arabes, comme ça, les arabes. Vous êtes raciste, monsieur le présentateur? Mais c'est pas ton problème, ça, par contre. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une fille se fait soulever là? Je comprends pas. Bon les amis, j'enchaîne. Le soir du coup, il y a une délibération, il y a des épreuves, vous pouvez explorer l'île à votre guise, juste... C'est pour que vous voyez mieux ma reine. Oh ! Lors de la délibération, ayez des arguments. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un sans avoir des arguments. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un par délit de faciès juste à votre guise, pour je ne sais quelle raison. Et vous voyez très bien de quoi je parle quand je dis ça, j'ai pas besoin de m'expliquer très longtemps. Ah oui, vous parlez de quoi? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est pu et du coup on peut le virer pour ça ou pas? T'as d'autres questions de connasses comme ça là? Quand je dis que tu peux pas aller sortir quelqu'un de manière gratuite, vous voyez très bien de quoi je parle, me forcez pas à dire les mots. On est dans un monde. Vas-y, dites les mots. Mais non, je vais pas dire les mots, commencez pas à me casser la tête. Vous savez couper au montage, allez, dites les mots. Dis-le quoi? Ok. Vous ne pouvez pas voter contre quelqu'un pour sa putain de gueule de streamer. Voilà, c'est bon, vous êtes content, hein? C'est honteux, c'est honteux là, monsieur. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Non, c'est marrant bien. Ce qui va se passer, il va y avoir deux étapes tout de suite. Vous allez vous présenter et juste après ça, on va passer direct à la prochaine épreuve qui va faire en sorte de vous avantager directement. Donc maintenant, je vais faire l'appel et vous allez vous présenter en une seule phrase. Vous êtes capable de ça quand même, c'est pas trop demandé. Tu fais l'appel ou le rappel? Oui, moi je suis capable. Allez, Monsieur Tom Lewis, s'il vous plaît, une présentation en une phrase. Bonjour, je suis fils de banquier. Ok, super. Monsieur Douglas Memphis, présentation en une phrase s'il te plaît. Bonjour, contrôle, ticket de transport s'il vous plaît. Monsieur Buddy Rye, présentation en une phrase s'il vous plaît. Sergent Buddy au rapport, prestige 2. Ok, pas compris, mais monsieur
Vince Savage, présentation s'il te plaît. Vince SDF, je dors dehors. Monsieur François Pignon, présentation s'il te plaît. Ok, absent. Monsieur Jacques Spardoug, présentation une phrase s'il te plaît. Jacques Spardoug, 31 ans, j'ai un enfant célibataire. Monsieur Karim Beida, présentation une phrase s'il te plaît. Mon mouche du 57, follow sur TikTok s'il vous plaît les mecs. Monsieur Philippe Salamanca, présentation une phrase. Philippe, 58 ans, ma femme est morte. Oh, incroyable ça. Madame Stéphanie en leuleu, présentation une phrase s'il vous plaît. Leuleu. Stéphanie leuleu, psychologue, avec moi c'est chic chic chic. Putain, connasse. Madame Anna Trudeau, boum, boum, boum. Présentation une phrase s'il ouais. te plaît. Eh ben, j'espère que vous êtes tous nice, la bande de ploucs. Incompris. Madame Anna Nanana Alaba Albanana. Albanana, saltimbanque en chef et reine de la rue. Monsieur Ousmane Dembélé, présentation une phrase s'il te plaît. Moi c'est Ousmane Dembélé, les filles, mon snap c'est Ous78, n'hésitez pas à m'ajouter. Ok, super. Ah, 78, toi j'ai déjà croisé, je crois. Excusez-moi, oui, la rue, la vraie, super. Ta gueule, le raciste, ta gueule, le raciste. Monsieur Abby Bocher, présentation à une phrase. Mec de cité, simple. Ok, super. Bon, monsieur Patrick Burnel, présentation à une phrase, s'il te plaît. Un trou, c'est un trou. Monsieur Jacques Boulon, présentation à une phrase, s'il te plaît. Je m'appelle Jacques Boulon, je suis fermier, je viens du Périgord. Magnifique, efficace. Monsieur Richard Pastel, présentation à une phrase. 40 ans, marié, agent d'influent à Webedia, anciennement Mysticom, qui a fermé à la recherche de talents à manager à 50%. Mais non ! Bah vous allez bien vous entendre avec monsieur... J'en ai redressé comme vous, j'en ai redressé fiscalement à Webedia. Ah, tu vas bien t'entendre avec moi. Monsieur Axel Le Ray. Aïe. Bon, il va répondre après l'autre présentation, je pense. Monsieur Hassen Amar, s'il vous plaît. Ouais, Hassen, 30 ans, 2 enfants, chauffeur RTP. Ça fait plaisir d'être là, les gars. Monsieur Narine Mucus. Narine Mucus, 38 ans, je fais ça pour mes filles. Ciboulette et feuilles. Super. Oh, c'est tellement joli. C'est pas des prénoms, ça. Merci. Non, merci Patrick Burnel. Attendez, laissez Patrick Burnel parler, c'est pas souvent qu'on a une réponse. Non, c'est rose, Narine. J'aime quand ça va vite. Ok. Ça va très vite, effectivement. On est toujours surpris. Pour aider. Les enfants, orphelins. Non, s'il vous plaît, envoyez-le à l'EHPAD ou je sais pas. Voilà. Madame Camélia Coste, présentation à une phrase. Camélia, je suis professeure d'architecture. Madame Victorine Delacour, présentation à une phrase, s'il vous plaît. Victorine, championne du gala de trompette de 2020. Oh là là là. Madame Chiara Annette, présentation à une phrase, s'il vous plaît. Du coup, Chiara, je suis là pour me payer un plus gros fessier. Si vous êtes bélier, c'est pas la peine de me parler. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Ok. Oh non, les gars, il s'est mis en premier, mais faites un effort. Pourquoi vous me l'avez mis en premier, le ping? Les gars, écoutez-moi, est-ce que vous m'entendez tous? Vous allez chacun votre tour passer sur scène et tirer une carte dans la boîte sur laquelle il y aura écrit votre équipe. Allez, monsieur Philippe Salamanca, tirez votre carte. Je vais vous convoquer par nom. Vous savez quoi? Je vais vous convoquer par nom. Rouge. Rouge à droite. Allez, à droite. Pardon, vous m'avez dit quoi? François, tu peux pas choisir. Je peux aller à droite. C'est pas cette droite là. C'est pas cette droite là. Il y a pas de hasard entre la droite et la gauche. C'est pas cette droite là. Ah merci. Il a raison. Je convoque monsieur Tom Lewis pour venir tirer une carte. Jaune. Et jaune à gauche. Monsieur Douglas Memphis. Chef, oui chef. Allez Doug. Une carte s'il vous plaît et vous allez de votre côté. Allez, ouais, donc, vous pouvez aller sur votre gauche. Monsieur Buddy Ray. Tire-moi ta carte. Et la réponse est jaune. Allez à gauche. Je suis jaune. Monsieur Vince Savage. Ouais, c'est moi. Les gars, ça va être les équipes définitives. En gros, là, ce que vous voyez, je parle pas à eux, je parle à vous dans le chat. Et c'est les équipes définitives. Et bah, ils vont passer le concept avec ces équipes-là. Monsieur François Pignon. Mais c'est pas possible, il est complètement alcoolisé. Non, c'est pas ce que vous croyez, je pensais à ma femme, excusez-moi. Ah, la pauvre. Fallait penser à tes cheveux. Hein. J'ai tiré. Et c'est jaune, François Pignon. C'est droite ou gauche? À gauche. On peut retirer? Non, désolé, je sais que c'est contre nature, mais ça à gauche. Monsieur Jacques Spardoug. C'est à gauche, c'est à gauche. Je crois qu'il est vraiment allé à droite. François Pignon! C'est jaune, donc je vais chez les jaunes. Ah là, chez les jaunes, chez les jaunes, chez les jaunes, ça peut vous rassurer. Karim Beida, s'il vous plaît. On est ensemble. Il veut vraiment aller à droite, il veut vraiment pas. C'est jaune! Allez, jaune, à gauche. Philippe Salamanca. Non, c'est moi, j'ai déjà tiré du coup. Ah mince, pardon, excusez-moi. Madame Chiara Annette.
Rouge. Ok, vous pouvez y aller. Madame Alba ça, Nana. Ravissante. Ok. Merci, c'est gentil. Rouge. Ok. Stéphanie Enleleu. Bonsoir. Oui, alors c'est Stéphanie Lele. Ah, bon, après tout, quelle différence. Oui, c'est moi, bah comment on se retrouve. C'est vrai. Ah, ok. Allez, en jaune. Madame Victorine Delacour. Rouge. Ok, très bien, va-t'en. Axel Leray. Axel Leray. Axel, effectivement. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va, monsieur. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Super, bravo. Maintenant, vous pouvez aller rejoindre les rouges. Vous pouvez le faire. Allez, on y va. Allez. Voilà, bravo. Bravo. Narine Mucus. Je suis jaune. Est-ce que c'est parce que c'est ma couleur de peau que vous faites ça? Je sais pas si je suis en lien de connivence. Comme pas, par fait... hasard. Comme par hasard. Hein. Oui, bah, comme ça continue hasard, toujours le... jaune, un peu raciste, c'est vrai. Jacques Boulon. Je suis jaune. Allez. Non, c'est rouge ça, non? C'est rouge là. Alors, je, dans la présentation, je l'ai pas précisé, mais je suis daltonien. Ah voilà, mince, non, pardon, c'est de l'autre côté. Vous êtes daltonien, ok. Patrick Burnel. Enchanté, Patrick. Enchanté. C'est le seul que j'avais. Très belle voix. J'ai eu des compliments dessus, notamment. Je suis rouge. Allez, va-t'en. Abby Boucher. Ouais, Philippe, oui, c'est moi. Je peux faire un petit rituel avant de prendre. C'est quoi le rituel? C'est à chaque fois avant de prendre une décision, je fais des squats. Allez, vas-y. Squat. Enchanté. Ok, tu squats bien. Ah, ok, c'est bien. Un peu jumping jacks. Tu cambres bien. Ok, pas ouais. Mal. Ah, ok. Allez, tu peux tirer foot corner. Les jaunes. Allez, en jaune, monsieur. Monsieur Ousmane Dembélé. Allez, tire et plus vite que ça. Allez. Qu'importe quelle équipe, moi je vais gagner dans tous les cas. Allez, en rouge. Madame Camélia Coste. Ravissante. Faut gagner les épreuves. Merci, merci. Ah, en jaune. J'adore le jaune. Monsieur Richard Pastel. Ouais. Ah bah c'est bien moi. Comment qu'elle s'ouvre cette petite malle? Eh bah vous mettez la main et vous prenez un ticket, c'est pas bien difficile quand même. Non, ça c'est. Non, par contre, je vous permets pas. Non, bah, alors là, frapper un caméraman. Alors... Non, mais vos pulsions, monsieur. Là, là, je sais que vous êtes raciste, vous me l'avez dit. Mais là, pas. Oui, mais là. Pardon, rouge. Oui, les pulsions. Oui, bah oui. Vous voyez quelqu'un d'un peu d'origine étrangère, vous commencez déjà à partir en couille, ça va pas le faire. Oui, je sais, très bien. Bah allez en rouge, s'il vous plaît. Madame Trudeau, venez, s'il vous plaît. Elle est pas prêt à donner son prénom. Enchantée, Madame Trudeau. Ah bah enchantée. Oh bah c'est jaune. Vous venez d'où exactement? C'est quoi cet accent? Maï de Québec, le de Laval. Après, allez rejoindre les jaunes. Quel connard, celui-là encore. Okay. Je comprends rien quand elle parle. Et vous, monsieur, vous êtes Moi, c'est Amar. Oh, mon chauffeur de bus adoré, comment ça va? Ouais, ça va. Ça très va, beau dégradé, ouais. Comment ça va la vie de famille? Bah, tout va très bien, là, les petits. Vas-y, tire ta carte, je m'en fous un peu pour te dire la vérité. Tire ta carte. Rouge, allez, en rouge, monsieur. Ouais. 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 C'est bien, vous êtes tous déjà. Ouais, la MJC! La MJC de Chimaville! Incroyable! Je vais vous emmener au bowling! Excusez-moi, j'ai une petite question à vous poser. Oui, dites-moi. Un membre de l'île a dit qu'il a vu ma femme avec Ravu. Est-ce que vous connaissez ce personnage? Oui, effectivement, je l'ai vu sur un yacht. Votre femme. Après, le souci, c'est que Ravu n'était pas le seul. Elle était quand même imbibée d'hommes. Oh, je n'ai pas vraiment envie d'en. Ouais, c'est que c'est des foutaises. Je mâche. Monsieur, calmez-vous. Mais à un moment donné, faut passer à autre chose. Votre femme, c'est un rond-point. Hein. Je vais pas te parler comme ça de ma femme. Bah, tout le monde lui a tourné dessus, monsieur. Moi-même. Donc, allez rejoindre vos amis et je vais passer à autre chose. Je vais calmer. Non, c'est là-bas. C'est bien, super. Vous êtes soudés. Mouloud. C'est ce qu'il fallait. Vous allez devoir être soudés. Maintenant, vous avez votre équipe. Quand est-ce que nous connaissons? Comment sont les... Attends, laisse ta gueule, toi, ou je vais baiser ta femme, toi. Vous savez... Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, il faut respecter les femmes. Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef, tout est prêt, là, faut aller sur place. Monsieur, on parlait fort. Oui, je reviens. Allez régler votre problème de tout et revenez, monsieur, s'il vous plaît. Team Rouge, suivez-moi. Apparemment, ça n'a pas de présentation. Eh ben, le chef alors. Apprendra la chapelle tout à l'heure. Hein. En tout cas, vous êtes plus agréable que les rouges. Excusez-moi, chef, c'est tout au bout là-bas. Ah, c'est par là-bas? Ah, d'accord. Eh, décide-toi plus vite, toi. C'est quoi ces manières de faire là? Depuis tout à l'heure, je t'attends, tu fous quoi? Pardon, chef. Ferme ta gueule, avance. Ah oui. Monsieur le présentateur, vous pouvez lui parler mieux quand même. C'est pas que c'était comme ça. Quand j'avais la télé, ça avait pas l'air d'être aussi tendu. Je peux aussi vous parler comme ça?
Non, toi, tu vas juste commencer à avancer et tu vas faire ce que je vais te dire. D'accord. Ken. Chaleur. Ah, c'est vrai. Marvin, tu le présentateur. Ouais, juste quand tu me parles, écarte-toi un peu. Tu sais, ça me met mal à l'aise. Alors qu'on est quand même sur une liste. Comment tu l'as dit ? Tu m'as dit qui ? Bah, Ken. Faites l'accent, faites l'accent belge. Ah ouais, c'est bien ce que. Ah ouais. Il y a un Belge. Ah ouais. C'est un accent belge. Bah, non, il y a pas de Belge dans l'équipe. Vous le connaissez ? Ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord. Vous pouvez marcher un peu vite ? Ouais, mais c'est enchanté, ouais. Regardez comme ils sont longs. Les rouges avec les rouges, les jaunes avec les jaunes. Les rouges, c'est ridicule. Ils sont pas. Mais nous, on se met où les. Ah ouais, là-bas, j'ai un employé de merde qui sait pas gérer là. Les gars, vous allez tous la fermer, mais écoutez, ceux qui écoutent pas, tant pis pour lui. Maintenant, on va procéder à déjà la première épreuve qui va commencer dès maintenant. Est-ce que vous voyez la plateforme là-bas ? Oui. Oui. Il y a un coffre avec les bandeaux jaunes et un coffre avec les bandeaux rouges. Chaque équipe va se mettre en file indienne et vous allez faire un relais. La première équipe qui récupère ses bandeaux avant l'autre gagne le droit de connaître l'emplacement de sa source d'eau directement sans avoir à la chercher. Les gars, go, c'est parti ! Allez, Stéphanie a pris tous les bandanas. Je déclare l'équipe rouge gagnante. Bravo à l'équipe rouge qui aura la source d'eau directement. Allez, on y va. C'est parti. Chef, excusez-moi. Oui, dites-moi l'ancien. Oui. Ah oui, putain, c'est vrai que je dois attendre demain. Vous n'aurez pas quelque chose à manger? Ah ça, malheureusement, va falloir le trouver sur l'île. Comment ça, demain? Ah putain, t'es sur Xbox, toi. J'ai tellement de choses à vous raconter. Oh putain, j'espère que c'est pas le Covid, hein. Il y a des Xbox dans l'île. C'est quoi votre cri de guerre? Ah oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Go, go, go. Ringo, go. Ringo, go. Ça veut dire qu'on s'est pas tous mis d'accord sur le cri. Ah oui, je pense qu'il faudra en trouver un nouveau, c'est un peu ringard. Je vais pas vous mentir, c'est pas fou quoi. Super l'ancien, pas de soucis. Écoutez, ça va être simple. Ah, il y a le chef d'équipe, le chef d'équipe. Ok, ça va mieux, Ousmane Dembélé ? Yo, mes frères. Ousmane Dembélé, regarde par terre. Tu vas me ramasser ce qu'il y a par terre. Vous avez gagné l'emplacement de la source d'eau. Vous savez exactement où elle est. Donc, bravo à vous. Dans un deuxième temps, ici, c'est le début de votre campement. Venez, suivez-moi. Ici, c'est la table pour pouvoir construire ce que vous pouvez construire avec les ressources que vous trouvez sur l'île. Ok. Vous avez juste à venir ici. C'est comme une table de craft, quoi. Et vous hésitez, genre vous faites Oui, on hésite. Voilà. Ici, vous avez l'endroit pour le stockage. Vous voyez, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez ici. Super. Ça, c'est nos lits. Ça, c'est vos lits. C'est vos sacs de... Il y en a que deux. Non, mais ils sont éparpillés un peu partout. Ah, voilà, c'est un peu sexuel. À vous de les retrouver. Il y en a un peu par terre là. Retrouvez-les. C'est pas mon affaire. Débrouillez-vous. Okay. L'île est devant vous. Il y a un tas de ressources. Il faut que je vous prévienne. Plusieurs choses. Comme vous avez vu, vous pouvez trouver des haches. Vous pouvez trouver des pelles. Des choses qui vous permettent de récolter. Pour l'instant, vous en avez pas. Donc, si vous avez pas de haches, c'est compliqué pour couper du bois. On est d'accord? Oui. En attendant, bah, il faudra trouver du bois qui est déjà par terre. Vous n'allez pas en trouver beaucoup. Par contre, si vous réussissez à couper un arbre avec une hache, vous allez récolter beaucoup plus de bois. C'est compris? Oui. Excellent. Bah, ça marche comme ça pour toutes les ressources. À vous de vous démerder sur l'île. Je reviens vous voir pour la prochaine épreuve, qui est du coup pour l'invincibilité. Et préparez-vous, faites connaissance. Faites connaissance avec l'île aussi. Et faites attention à vous, il peut se passer plein de choses. Je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive. Ok,
C'est super. Les Galil, elle est gigantesque. Il y a 20 000, il y a des trucs, il y a 20 000 trucs, il y a des trucs de fou. Il va se passer plein de choses. Faut qu'ils fassent attention à eux parce que il peut se passer plein de choses. Faut que je les trouve. Je crois qu'ils sont déjà là. Faut que je leur explique. Mais wesh, comment ils sont ici déjà? Ah non, la plage, elle est juste là. Mais vous savez que c'est des ouf parce que s'ils se baladent trop sur l'île, ça double. Ils vont se fatiguer, ils vont être éteints pendant les épreuves. Salut. Oh non, pas lui. Vous avez été briefé ou pas? Sur quoi, Mathieu? Sur tout ce que, sur comment vous devez utiliser votre camp. On a tout compris, on n'est pas si con quand même. Toi, t'as l'air quand même sacrément con. Hein. Mais moi, j'ai compris, mais je veux bien réentendre pour être sûr, au cas où, s'il y a d'autres participants qui sont pas sûrs. Attends, là, votre camp, il est où? Tu peux me le montrer, là, s'il te plaît? Il est par là. T'as essayé de faire quoi, là? Non, je voulais... Mais tu veux que je t'en foute une bonne, là? Et s'il y a pas de... C'est quoi, le pire? Il y a pas de corporate, ici. Hein. Allez, venez. Putain, mais ils m'ont pas suivi, ces trous du cul. Vous savez comment utiliser tout ça ou pas? Non, mais eux, c'est les anciens, ils savent. Quoi, les abeilles? Tu t'es fait piquer par une abeille? Mais j'ai croisé les gars, des abeilles, elles m'ont piqué. Il y a des animaux, il y a des insectes sur l'île. Depuis tout à l'heure, il essaie de nous dire comment faire du blé. Moi, j'ai mal à la tête, moi. Ok, attends, je reviens. Va te reposer. Moi, j'essaye de pas trop me salir. Ouais. Hein. Salut. C'est qui? C'est moi. Retourne-toi, t'es où? Ah, je suis là. Qu'est-ce que vous faites là? Tiens. Ouais, j'ai trouvé un bout de bois, oui. Ah, t'as trouvé du bois, bravo, félicitations à toi, t'es pas conne, tu vois. Tiens. Un jour, le passif agressif vous tuera, vous feriez bien de prendre une séance avec moi. C'est important, c'est... C'est le reste des choses à craft, il y a d'autres choses à craft encore importantes que vous pouvez faire. Il y a des abris, des coffres, okay. Et c'est important. Je te donne ça, apparemment, on m'a dit que t'étais le capitaine. Peut-être pas, je sais pas encore, mais pour l'instant... Bah, tu vas être le capitaine. Ah ouais, en tout cas, toi, c'est ton capitaine. Alors, bon, je vais aller filer ça à l'autre équipe. Bon courage à vous. Il y a trop d'énergie négative ici. Je suis tendu, je vais hyperventiler. Allez. Attendez, je vais les suivre comme ça. Ça va être plus facile. Faut qu'on retourne à la côte. Regardez comment il marche. Sinon, on n'aura aucune chance de retrouver. Regardez comment il marche. Il s'est fait piquer par une abeille. En gros, les gars, sur l'île, il y a des abeilles, il y a des insectes, il y a des maladies, il y a des plantes vénéneuses. Regardez la maladie. Richard, j'ai la chiasse. Richard. La maladie, elle le force à chier, il a la diarrhée. Il y a des maladies en fait qui ont des effets secondaires. Le dis à personne. C'est sûr, le dis à personne, s'il te plaît. Okay, de déjà à l'école, on m'appelle le chieur. Tu trahiras jamais. Richard, tu ne diras jamais que je suis étalé dans ma merde. Attends, mais lui aussi. Ah, parole de frère. Ah, pitié, t'inquiète pas, je suis passé par là. Et tu tapes pas dedans. Oh non. Richard. À partir d'aujourd'hui, aucun de nous deux ne pourra se trahir, sans quoi l'autre devra dire au camp que l'autre s'est roulé dans la merde. Excusez-moi. C'est normal qu'il y ait de la merde partout comme ça. C'est un animal qui est passé, il a chié partout. Monsieur Mathieu, c'est fou, genre la faune sur cette île, et on s'est fait piquer par des abeilles, et là... Mais on dirait littéralement des cacas d'humains, mais... Oh, mais qu'est-ce qui vous... Monsieur Mathieu, je peux tout vous expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous chiez? Tournez-vous! On s'est fait piquer par des saloperies de moustiques qui l'ont fait une maladie, peut-être. La vie sauvage, c'était pas pour nous! Non mais là c'est inquiétant, mais soignez-vous, y'a des choses sur cette île, soignez-vous! Mais donnez-nous de la pommade par pitié, quelque chose! Ah désolé, moi j'ai absolument rien, mais par contre je pense qu'il y a certainement des plantes qui peuvent vous soigner sur l'île, mais je sais pas exactement où elles sont. Lesquelles? Ah je sais pas. Ça va pas tarder aussi! Ah non mais par contre vous êtes répugnant, je peux pas, mais vous puez du cul, mais ça me dégoûte. Non mais on va se laver après, promis. Ah non mais allez dans l'eau, mais c'est répugnant, mais... Non mais même calme pas, sale puant, mais c'est trop. Mais non. Ah je suis mort. Je suis occupé je me retourne par plein d'essence. Oh le vieux, qu'est-ce qu'il fait le vieux? Oh mais wesh. Vous avez quel âge? Regardez. Mais ça récolte de fond là déjà. En vrai joué. Voilà. Je suis désolé mais les rouges ils vont bousiller les jaunes. Ils ont l'air mille fois plus forts. Ah ils sont en train de construire un abri déjà. Ils sont déjà en train de focus un abri. Faut beaucoup de ressources hein, regardez, 150 feuilles, 40 pierres, 140 bois. Il faut sauver Magla. Attendez, je vais y aller. Merci les gars, je vais y aller tout de suite. Comportementaliste animalière. Mais les animaux, les humains, c'est pareil, ça se gère pareil. Elle est bloquée ici, elle parle toute seule. Mâche-le, sois gentil. Tu veux une friandise, c'est pareil, c'est la même chose. Non mais attendez les gars, je vais voir si elle peut se démerder et monter toute seule, c'est du RP. Je veux pas mourir maintenant. Oh non. Peut-être que je serais mieux par terre. Je vais réfléchir un peu. Putain, j'aimerais trop venir avec un ped.
Wesh, le plongeon, c'est leur Manodou. Attends, mais elle va où? Elle est malade. Non, non, non. Vas-y, je vais la TP. Parce que sinon, ça va être la merde fourrée. Déporter le joueur sur soi. Attends. Pourquoi elle marche comme ça? Pourquoi elle marche comme ça? Elle est perpendiculaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Son perso, il est éteint. Mais elle allait trop loin sur l'île, mais c'est pas possible. Ah, force à elle, c'est le jeu, les gars, par contre. Si elle a plus de jus, force à elle. Apparemment, il se passe des choses là-bas. Elle est en train de souffrir. Faut aller brief les jaunes, ils captent rien. De quoi? Ah ouais, à ce point? Vas-y, attendez, je vais le faire. Faudrait peut-être que je vous briefe, non? Ouais, ouais, grave. Bah ouais, fallait m'attendre sur la plage au lieu de partir tout seul comme des cons dès le départ. Ouais, moi je me suis fait pas été briefé qu'il allait avoir un... Eh bah si, je vous ai dit de m'attendre. En gros, je vous explique. Il y a des ressources partout sur l'île. Il y en a par terre, mais il y en a que vous pouvez récolter avec des choses que vous craftez. Par exemple, je sais pas, une hache, une pelle. Des pioches. En utilisant ça, vous récoltez par exemple beaucoup plus de bois. Mais si vous en avez pas, bah va falloir trouver du bois par terre. Il va falloir trouver des cailloux. Exactement, ça marche comme ça pour toutes les ressources. Ouais, moi je suis en train de mourir d'ailleurs. On va s'arranger, regardez ce que oui, mais est-ce que vous avez des questions? Wow. Eh bah voilà, bravo. Vous voyez, bravo. Exceptionnel. On a cherché direct. Est-ce que vous avez vu que quand vous touchez votre point G, il y a votre état de santé? Oui. Ouais, t'es bon. Oui, oui. Quel point G, monsieur? Le point G. Touchez votre point G. C'était le point G. Je l'ai jamais trouvé, c'est peut-être pour ça que ma femme est partie. Elle reviendra après l'aventure. Elle reviendra pas, c'est une pute. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas parce que vous êtes présentateur d'émission que vous pouvez manquer de respect comme ça à ma femme. Bah attends, mais je dis juste des vérités, c'est des faits, il y a des sources quand même. Excusez-moi, monsieur le présentateur de télé. Vas-y, viens. Vous aussi, comme vos collègues, vous vous droguez et vous avez peut-être besoin de cette feuille. Exactement, et je suis cocaïnomane et je suis sur la liste. Ah, quelle liste? Une liste. Ok, j'ai une question. Il va bientôt fuiter. Exactement. Mais qu'est-ce que vous avez dans les mains, là? Oh, Tom Sawyer, va niquer ta mère. Attends, deux secondes, là, je suis en train de discuter avec... Dans les mains, j'ai des cailloux. Ouais. Okay, je fais comment pour les déposer dans le camp? Non, mais monsieur, si vous êtes venu dans l'émission survivant et que vous savez même pas allumer un feu, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, merci, monsieur. Un peu de débrouillardise, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon, moi, je suis un fils de pute, j'ai compris. Merci, mais oui. Comme ma femme. Enfin... Non, fils, elle, c'est juste sans le fils. Eh, les jaunes, je pense qu'ils vont perdre toutes les épreuves, ils sont cataclysmiques. Les jaunes, la différence avec les rouges, elle est monstrueuse. Si j'ai trouvé une porte secrète, après, j'ai perdu. Écoute, a trouvé une porte secrète. Si tu retrouves cet endroit-là, ça va buzzer. C'est moi qui vais rentrer d'abord, j'ai un bâton, je peux les taper. D'accord? Ça va buzzer un max. Et par contre, regarde, tu m'as donné un secret, moi je vais t'en donner un autre. Si tu votes pas contre moi, on peut se qualifier, mais faut pas le dire aux autres. Je viens de vivre une aventure et la seule chose à laquelle ça commence déjà les stratégies. De buzzer. J'ai failli mourir. Non, parce que t'es en vie, t'es une guerrière. Si, je suis forte, je suis trop forte. Bah voilà, t'es trop forte. Mais ouais, t'es la meilleure. Bien sûr que t'es la meilleure. Miskin, il a voulu faire une stratégie, elle s'en bat les couilles. Oh non, vous avez rencontré la psy? Enfin la folle, enfin la nymphomane, oui, quoi. Oui, oui, oui. Vous l'avez rencontrée? Oui, absolument, elle m'a soigné. Elle est nymphomane en plus. Ah bon? Elle est nymphomane. Attendez, je reviens. Je crois que je vais devoir prendre rendez-vous avec. Oh, la nuit tombe, dépêchons-nous. Le P me régale. Le P me régale avec sa femme qui la trompe avec tout le monde. Je me sens pas bien. Kamel a besoin d'Eddie Bug. Allez, j'y vais. Il y a des ours sur une île comme ça. Il a croisé un ours? Mais non, tu te fous de ma gueule. Un coup les abeilles, un coup les ours. Il a croisé un ours, il y a déjà des ours? Ma femme n'est pas une femme bien. Mais non. Ah non, elle est pas bien, elle. Pourquoi vous parlez toujours de votre femme, vous? Pardon, François. Il casse les couilles à tout le monde avec sa femme. La source d'eau, elle est là, et regardez, je vous montre. Je vais me TP. En gros, quand tu la trouves, tu peux venir... Et boire directement. Oh, le bruit en ASMR. Et en gros, tu viens, tu peux boire, et du coup, ça te remplit ta jauge de soif. Il est horrible le bruit. Ah, frère, la ASMR, laisse tomber, faut le supporter. Non mais tu fais la main, mais tu me fais aucune main. Je te jure, c'est pas ma faute. Ok, bon, tu vas me faire l'observateur, c'est pas grave. Je prends le bois. J'ai compris, je hache et je porte. Allez, c'est bien, c'est bien. En soi, t'es observateur, tu m'as trouvé l'arbre. Je l'aurais pas vu sans toi. Bah oui, frère. T'as un travail d'équipe. Moi, écoute, je suis le neurone de cette
aventure, ok? Le neurone. Le neurone. C'est le neurone. Même quand il veut dire qu'il est intelligent, il est trop con. Putain, mais je suis dépité. Apparemment, il y a Grimm qui est sacrément malade. Il arrive pas à sortir de là. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle est où la blague? Ça dort bien? Ouais, il se repose là, il est malade. Monsieur, arrêtez avec votre calvitie, ça devient embêtant là. On est en train de parler entre amis, c'est mon copain. J'ai une calvitie également. Je n'ai pas une calvitie, j'ai des problèmes. Tout se passe bien? Monsieur, non, on a un problème. C'est quoi le problème? Ça se passe pas bien. En gros, dès qu'on ramasse quelque chose dans le sable ou dans la terre, Monsieur Mathieu, la chose se désintègre en fait. Attendez, est-ce que vous pouvez regarder la caméra avec moi ou pas? Bah vraiment. Mais je sais pas, tu regardes la caméra avec moi. Mais oui, je regarde la caméra. Salut maman, regarde, je suis avec Mathieu. Mais attends frère, on doit régler le problème là. Bah non, mais il pense à sa mère, moi. Laisse-le penser à sa mère. Mais c'est moi le prochain présentateur, maman, regarde-moi. Elle est partie. Ok, c'est bon, t'es content? Ta mère, elle a quel âge ta mère? 67, pourquoi? Ah non, elle tente. Vas-y, moi je vais chercher la source d'eau. À cet âge-là, il y a plus. Attends, relation sexuelle. Vas-y, réessaye. Oh, il y a la l'infomane. Oula, ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête encore embrumée, je me suis perdue, je suis tombée d'une falaise et... T'es tombée d'une falaise? Ouais, je suis tombée d'une falaise, ensuite je me suis fait piquer par des abeilles, je me suis perdue. Attends, je vais résoudre le problème. Oula, ok. Stéphanie, t'es où? Pourquoi tu m'as enterrée dans le sable? Ça résout pas les problèmes. Stéphanie, qu'est-ce qu'il fait? Putain, l'arrivée de l'autre bout, comment elle a dû souffrir. Attends, faut que j'aille voir leur camp. Je sais pas, il est où leur camp? Rouge. C'est lui le capitaine. Oh putain, heureusement ça a pas marché. Oh, j'ai failli faire une dinguerie. Ouais, Inox. Ouais. Tu m'entends? Des trucs bizarres? Non, le TP c'est normal. Vous êtes ravi de m'appeler, je vous appelle. Le TP, j'ai pas fait rien à personne. Le PC, j'étais. J'ai regardé tous vos tweets en 2006. Le TP, j'étais TP sans faire exprès. Oh, comment ça va? T'as trouvé l'eau, ouais, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, je m'en fiche, moi, de l'eau. Mais, gros, en fait, pardon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je me suis fait piquer et j'ai perdu mon orientation. Je sais plus de quel côté est mon... Oui, l'île se fait attaquer par des raids aériens. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Mais du coup, le camp, est-ce qu'il est par là-bas? Ou est-ce que le camp, il est par là-bas, Denis? Ou Moundir? Mouloud? Moundir. Je pense qu'il est par là-bas. Je pense. Mais là-bas, c'est l'eau là-bas. Je peux pas aller par là-bas. Pardon, désolé. Je laisse pas. Attends, parce que moi-même, j'ai pas de sens de l'orientation. Je te dis la vérité. Je pense qu'il est par là-bas. T'as trouvé la source d'eau, non? Oui. Mais tu sais, tu viens d'où quand tu l'as trouvé la source d'eau? Non, je sais pas d'où je viens. Tu sais pas d'où tu viens? Moi, je vais te faire souvenir d'où tu viens. Tu vas y retourner. Non. Attends, c'est le mauvais... J'ai pas compris. Non. C'est moi le... Pardon. Non, excuse-moi. Attends, tu fais quoi là? Pardon, excusez-moi. Non, parce qu'en fait, des fois j'ai des restes dans d'anciennes vies. Moundir, j'ai trouvé des trucs, je sais pas quoi ça sert. Mais tu peux arrêter de m'appeler Moundir? Mais parce que vous avez la même chevelure que lui. Mais c'est avoir des cheveux, c'est pas Moundir. T'as aussi la même chevelure que lui. Bah non. Moi, c'est des dreads que j'ai, c'est pas des cheveux longs comme on dit. J'ai trouvé un rubis ardent. À quoi ça sert? T'as trouvé un rubis ardent? Ouais. Ok. Garde-la. Je peux te dire que t'as trouvé un truc de fou. Ça te servira. Utiliser un outil pour couper cet arabe. Non. Non, oui. Un arbre. Excusez-moi. En fait, comme je suis dyslexique, des fois, genre, j'ai la langue qui est pas très bien affûtée. Et des fois, en fait, ça glisse et je dis des dingueries, excusez-moi. C'est encore une fois, c'est pas contre vous, Moundir. Pas de soucis. Ben, en tout cas... La force à moi pour trouver le camp, c'est ça? En tout cas, force à toi pour? Pour trouver le camp? Où je trouve le camp, c'est ça, maintenant? Bah, si tu veux, je t'aide, mais moi-même, j'ai aucun sens d'orientation, je pourrais être honnête avec toi. La 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 la. Mais en fait, là, j'ai trouvé le rubis ardent et j'ai trouvé l'eau. Est-ce qu'on peut dire que je suis en endgame, quoi, un peu? T'es un quoi? Un peu en endgame, j'ai pillé le game quoi, un peu, on peut dire ça, non? Mais tu sais même pas à quoi ça sert le rubis. En tout cas, je sais que c'est un rubis et que ça va peut-être me servir plus tard à peut-être poignarder mes Écoute, camarades pour les éliminer. Si tu te et le matin, okay, on je vais, se réveille, je vais on te dire à quoi cadavres. Il sert. Si tu te sens en danger un soir de conseil, eh bah tu le sors.
c'est genre un collier d'humilité. Non, c'est un rubis ardent. Bah moi de base je suis quelqu'un d'un peu altruiste, donc ça me dérange pas de partager avec les gens. Eh bah bien à toi, mais c'est bien, t'es généreux, mais est-ce que ça payera à la fin? Allez, moi, enfin, je te dis, hein, désolé, ah non, va mourir, oh, non, mais voilà, mais, quoi? Mais je vous suis, vous m'emmenez dans, sur une guêpière, là, mais c'est, oh là là. Il se fait piquer par une guêpe. Bah ouais, vous avez rien, vous, parce que vous êtes immunisé, forcément. Mais non, c'est juste que j'ai pris un vaccin. Bah ça ouais, va, tu vas bien, tu te sens comment? Bah non, je me sens pas bien. Bah écoute, je crois que je vais te laisser te reposer, hein. Bah ouais, je suis pas en god mode, moi, fils de pute. En quoi? Ah, tu veux faire une sieste? Bon, vas-y, je vais te laisser faire une sieste, alors. Bonjour. Bonjour, monsieur, vous allez bien? T'es le petit larbin d'hier? Ça a été avec les Timberland. Ouais, quoi. C'est quoi dedans? C'est les deux retardataires? Des gens que j'ai trouvés ici. C'est débloqué. J'ai demandé à ce qu'on mette les deux retardataires là-dedans. Oui, dites-moi, maître. Enfin, monsieur, pardon. Toi, tu sais accueillir. Bon, écoutez-moi bien. Wesh, y'a un fast-good cuisine. Wow. Vous foutez de ma gueule, vous respectez pas ce qui se passe ici. Vous et moi, on n'est pas potes. On est parti du mauvais pied, mais c'est à cause de la SNCF, se taper, moi. Pourquoi à cause de la SNCF? Quelle SNCF? J'étais à Gare Montparnasse, à LA. Ouais. Et je sais pas, il y avait du retard sur mon train, ça fait que j'ai raté toute la première journée, je viens d'arriver là. Bah, oui merci, je me suis aperçu que t'avais raté toute la première journée, je suis pas con. Et toi, c'est quoi ton excuse? J'ai eu du mal d'arriver. Déjà, tu vas me retirer ton casque de merde là, c'est quoi ça? En plus, c'est un casque de chantier, c'est même pas un casque. Vas-y, là, enlève là, c'est quoi ce casque? Mais hé, tu sais pas comment on le surnomme, tu devrais faire attention. On le surnomme Pussy Slayer. Pussy Slayer? Ouais. Vrai. Hé, y a des meufs sur ces îles. Mais toutes ah les ouais, ouais moi je suis là pour te gagner, trouver l'amour en plus. Ouais, bah toutes les meufs elles sont à moi. Tu vas bah, faire un choix au bout d'un moment, non? Tu veux que je te prenne le cul ou quoi là? Je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Tu peux le retirer, ton casque. Et toi, ferme ta gueule, toi. Toi, va là-bas. Attendez deux secondes. Parce que c'est mon casque gamer, je suis obligé deux secondes, de regarder. Hey. C'est vraiment le boss, t'as vu comment il parle aux autres? Ouais, bah, mets-toi dans l'eau, Mets-toi dans l'eau, là. Oui, bien sûr, Chile. Réfléchis dans l'eau. Zarma, il doit cogiter dans l'eau, là. Il doit cogiter dans l'eau, exactement. Ah, c'est chaud. Écoutez, si vous voulez rester, je vais vous dire quelque chose. Vous allez me servir, vous allez être mes larbins maintenant. Moi, je vais vous faire rejoindre deux camps. Je vais vous surveiller H24. Je vais vous surveiller, il y a des gens sur l'île, il y a des caméras, il y a tout ce qu'il faut, je vais vous surveiller H24. Je veux que vous me foutiez ces deux camps à feu et à sang. Toi à droite, tu vois ce que c'est la malveillance? Ouais, je vois. Développe-la, mais moi, développe-la. Oui, vas-y, continue. Oui. À gauche, développe ta malveillance. Ça va être dur, hein. Moi, je suis gentil, mais... La putain de tes cheveux que t'as pas, développe ta malveillance. Je vais tout donner, chef. Sa grand-mère, c'est quoi ça? Ok. Là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher deux capitaines de chaque camp. Je vais les ramener ici et ils vont vous choisir. Eh, va me chercher un bateau. Oui, monsieur. Tu t'appelles comment? Mali. Mali? Comment ça, tu t'appelles Mali? Mali. Mali. Palu? Oui. Mais tes parents, ils sont cons, quoi. Comment ça, Palu? C'est mes parents, ils ont décidé de m'appeler comme ça. Mais genre palu comme palu comme le paludisme. Ouais, oui c'est ça, voilà, je crois que c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont appelé comme ça. Ouais, c'est que t'es une putain de maladie. Bonsoir, bonjour, bonsoir. Identifiez-vous, termine Brognard. Je suis monsieur Mathieu. Écoutez, est-ce que vous pouvez me ramener le capitaine de votre camp? Le capitaine? On n'a pas de capitaine, non? Bah, on n'a pas de capitaine. Bah pourquoi vous m'avez dit okay, que c'est moi. Hier vous m'aviez dit que c'était monsieur Dembélé. Dembélé? Oui. Hier, vous m'avez dit. Il est chez les Rouges, Dembélé. Mais il est chez les Rouges, mais vous avez craqué. Non, pardonnez-moi, c'est de l'autre camp. Il faut arrêter la cocaïne, hein. Mais c'est quoi cette voix de merde? T'es en train de me faire chier, toi, hein. Tu veux pas. Change ta voix, là, tout de suite, là. Alors, c'est pas quelque chose de physiquement possible. Je m'appelle Narine Mucus. Et j'arrive pas à changer ma voix, monsieur. Me réveille au bon mode. Aïe. Ça va ou quoi, les gens? Monsieur le présentateur. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça oui, très bien. Bah, Brice Denis, c'est Foot Corner. Écoutez, j'ai besoin de savoir quelque chose. C'est qui le chef de votre clan? Tu m'avais dit que c'était toi, Foot Corner. Je suis pas le chef, moi. C'est les gens qui disent ça, mais je suis pas le chef. C'est qui les moi, gens? Moi, j'ai l'habitude de donner des ordres, mais bizarrement, personne ne veut de moi comme chef. Ouais, c'est normal, t'as pas la carrure ni le charisme. T'es dégueulasse et minable. Écoute, Foot Corner. J'aurais pas dit mieux. Fils de banquier, ouais. Exactement. Si tout le monde dit que t'es le chef de clan, j'ai une mission importante et tu vas me suivre. Merci beaucoup.
Monsieur, je suis en train de parler attends, à votre... Qui t'a autorisé à monter sur le bateau? Alors non, alors personne nous a autorisé quoi que ce soit, mais on a juste voulu parler à votre commandant de bord. Attends. Qui effectivement, à mon avis, qui est maltraité d'ailleurs, comme vous maltraitez les gens, monsieur. Tu les as laissés monter sur le bateau? Non, c'est pas ce que vous pensez, chef. Il avait besoin d'une séance de psychanalyse, nous en avons parlé ensemble. Mets-toi torse nu, Mali. Non, mets-toi torse nu. Ok, bon, ok. Ah, regardez son corps. Pourquoi vous rigolez pas là? Vous avez son corps. Qu'est-ce qu'il est mignon, vous êtes très... Vous voulez un programme? Vous voulez un programme? Pensez aux mouettes. Bonsoir. Bonsoir Denis. Bouteille. Bonsoir monsieur Mathieu. Bouteille. Ah ouais, mais vraiment juste une journée, vous êtes tous devenus Golemon. C'est incroyable. Bouteille. Ok, vous pouvez aller me chercher le chef de votre camp, s'il vous plaît? Attends, qu'est-ce qu'il vous avez? Il y a des abeilles par ici, les gars, faites attention. Là, par ici. Wesh, les bêtes de fou, c'est quoi ces bruits? Mais c'est quoi ces bruits de malade? Wow! Mais... Ah! Wow! Attendez! Toi aussi, t'es bizarre, mec! Toi aussi, tu marches pas droit, mec! C'est toi le chef de ton clan? Ouais, gros, c'est moi le chef de mon clan. Ok, t'es fragile, mec, c'est pas grave. Attends. Ok, tu vas me suivre. C'est quoi qui m'arrive ou... Bah, c'est là, je mèche pas très droit là. Ouais, t'es un vice de pute. Oh, vice de pute. Tu es un vice de pute. Oh, je t'emmerde, espèce d'enfoiré de merde. Ta grosse merde bazooka. Je lui mets des gros missiles dans le petit saligo de merde. Ok, c'est où le chemin? C'est où? Putain. Mais putain, je sais pas. Les gars, la plage, s'il vous plaît. Ramenez-moi vous allez la bien, plage. C'est par là. Okay. Richard, il est en train de faire une complètement abruti. Je crois que c'est pas la même. C'est pas la même que la nôtre. Hein. Ouais. Ils chient pas, mais ils sont débiles. Attachez-vous à mon dos, monsieur. Attends, attachez-vous. Tu sais ce que tu vas faire? Quoi? Tu vas fermer ta gueule et tu vas courir. Allez, viens. On y va, messieurs. Allez. Direction Lille, s'il te plaît, Mali. Oh, écoute-moi. Moi, je serai le dernier survivant. C'est pas. Waouh! Oup là. Oh, c'est pas une motocross, frère! Oup là, le caméraman! Oh merde! Oh putain! Moi, j'ai tué le caméraman! Oh bah merde! Bon bah, une facture en moins! Ça, c'est les deux retardataires. C'est les deux retardataires, ils sont arrivés aujourd'hui. C'est des gens que je respecte pas vraiment. Et vous allez les accueillir dans votre truc là, village machin truc là. Donc, okay. Toi, tu vas te présenter pour te vendre à gauche. Moi, c'est Jax Sombrero et qui est Jax l'arrogant. T'as rien à dire d'autre! Bah frérot, tu veux pas simple. Te vendre un moi, peu? Bah justement, je vends des formations, je te l'ai dit tout à l'heure. Okay. Mais tu servirais à quoi sur notre voilà, team? Exactement, merci. Ouais, quelles sont tes capacités? 10 000 euros seulement. C'est simple, moi j'ai un seul point faible, c'est que je suis trop fort et je suis là pour tout baiser. Et même toi, je vais finir par te baiser et toi aussi, je vais finir par te baiser. Merci, wow oh, oh, oh j'aime bien cette mienne, toi c'est mienne. Ah, j'aime bien cette petite. Ok. J'aime bien cette petite. Le saltimbanque, présente-toi le saltimbanque là. Ah, moi j'ai 31 ans. Je m'appelle Pierre Carré. Oh putain, c'est chiant. Bon, venez vous deux. Ça va être très simple. Je vais pas tergiverser longtemps. Je vais faire un décompte jusqu'à 3. Vous allez vous battre. Quoi? Oui, vous allez vous battre. Non, mais un décompte jusqu'à 3. La langue. Attends. Mais tu fais quoi là? Mais non. Je vais t'enfermer. Tu vas rester ici toute la soirée. C'est lui, frère. C'est lui. Celui qui gagne, il choisit son coéquipier en premier. Enfin, 1, 2, 3. C'est quoi ce spectacle là? Mais c'est... Ils sont nuls! Tiens, pas mal. Voilà, footlocker. Footlocker, ok, la remontada, Ousmane Dembélé. L'esquive. Oh là là! Crochet! Gauche droite! Oh là 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 là! Mais footlocker, mais tu es incroyable! Et la victoire! La victoire revient à Footlocker! Bravo, félicitations! J'avais pas le choix, sinon personne n'allait acheter mes programmes. Footlocker, choisis 101, s'il te plaît. Tu sais faire quelque chose avec le bois?
Ah, j'ai réfléchi, j'ai révisé avant de venir. Mais c'est quoi cette vie pervers là? Je vais prendre Jax, il est pas prêt à droite, je vais prendre Jax. Je veux vous voir intelligent, je veux vous voir foutre la merde, je compte sur vous. Je veux vous voir vicieux, méchant, je veux que vous foutiez la merde et que vous montiez le cerveau de tout le monde. Là, il y a que moi qui vous entends, faites en sorte de chuchoter. Donc eh, on va être mauvais, et là ce qu'ils savent pas c'est qu'il m'a pris pour que je baisse son équipe de l'intérieur, c'est ça qui s'est pris. Mais pourquoi ça ouvre pas? Allez, hop, c'est bon. Wesh. Ouais, t'as vraiment de la force, toi. Eh, tu vas... Désarmant, on est dans Crash Bandicoot, là. J'ai rien compris, elle est où la cabane? Dinguerie. Je l'ai cassé. Il y a un vieux qui s'appelle Alex, qui a du ping, donc il parle très 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 lentement. Il présente tout le monde, c'est lui, un bon, hein. Pareil, c'est un jeune un peu comme moi, et le mec, c'est lui qui m'a dit qu'il y avait une alliance. Bref, j'ai trois mecs avec moi, et si tu viens avec nous, on sera en supérieur numérique. Eux, ils sont que trois dans leur alliance. On est 11, je crois, il m'a dit. Yo, Axel, je te présente les Pierre. Les jeunes, j'ai du carotte. On oh, est bien joué, Axel. Oh, il a trouvé une carotte, il est grave chou. Carotte. Non, ils peuvent pas l'éliminer. S'il l'élimine, c'est des chiens, il a trouvé de la carotte. Oh là là là, non mais Axel, t'es le go. C'est un monstre. Axel. Vous êtes hyperactif, non? L'éré, mon nom de famille. Oui, je suis hyperactif quand il y a les épreuves. Je gaspille pas mon énergie dans des choses inutiles. J'accumule. Et arrivé aux épreuves, je donne tout. Il est égaré. Putain, j'adore quand tu parles comme ça. Il vient d'arriver sur l'île, il se tape les deux plus gros couillons de la plage. Il est égaré. Ok, déjà, c'est sûr. Alliance. Ça, c'est Alliance. 100%, ça, c'est Alliance. Axel. Le vieux. Axel. Vous me ramenez à l'île? Oui. Où on les attend? Il y a une équipe qui va venir récupérer les gens. Ok, bah ramenez-moi à l'île plus vite que ça. Oui, maître. Tu vois, moi, tu te fous de ma gueule, toi. Tu veux ressauter, en fait. Vous voulez ressauter, vous deux, là? Non, maître Amine. Mais pourquoi tu parles comme ça? Tu t'appelles comment, toi, déjà? Je m'appelle Denzel. Denzel? Comme l'acteur? Oui. Lui-même. Mais c'est toujours mieux que... Il m'appelait Denzu. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi, comme ça, Denzu? Bah, maman qui m'appelait comme ça. Ah. Bah, paix à son âme. Elle est pas morte, elle est en Poitou Charente. Ah oui, ok. Ouais, bah, force aide. Oh là là, c'est dur de rester à côté de vous, hein. Je vous dis la vérité. Oh, allez, ça y est, arrête-toi, ça y est. Ça y est, vas-y, Denzu, allez, saute, c'est bon. Attendez. Non, c'est Denzu, il saute. Oui, oui, maître, mais allez. Oui, je saute. Allez. Non, toi reviens, conduis, j'ai la flemme de piloter. Allez, attends. Aujourd'hui, maintenant, c'est une épreuve pour que, quand vous allez devoir voter, la personne qui gagne soit invincible. Elle ne peut pas sortir pour ce soir. Vous avez devant vous chacun vos cartons, vos seaux que vous allez devoir remplir. Quand il y aura le décompte, vous prenez le seau, vous faites le parcours, et là-bas, il y a une sorte de bassin rempli de caca ou de boue, comme vous voulez. Vous devez remplir votre seau au maximum, le plus vite possible. Il va y avoir un chrono. Et revenir pour remplir votre seau. À la fin du temps imparti, quand je vous dis stop, celui qui ne se stoppe pas est éliminé. Si vous tombez pendant le parcours, tout votre seau va se vider. Faites attention à ne pas tomber. 3, 2, 1, c'est parti! Mais poussez-vous! Et pas de bouscade là! Merde! Ah, mais au milieu, c'est Gucci, frère! Ah, poussez-vous! Ah, putain! Sa grand-mère. Décalez-vous! Allez, je suis bien en vrai là. Ok, j'ai rempli. Aïe! Ah, l'inspecteur des infos. Aïe! Mais putain, mais c'est trop dur le contrôle! Les gars, une minute! Il triche! Oh mais non! Ah, moi je suis trop rapide, c'est bon. Dégage, François! Non! Allez! J'ai fait tomber mon saut de merde! Mais putain, François! François de merde, François, il m'a niqué ma game! 5! 4! Merde! 3! 2! Oh non, t'es vraiment une salope! Stop! Les gars, chacun derrière vos caisses, je vais regarder vos caisses une par une et je vais voir la quantité. 22,78 litres! Ouais! Bravo, Jack! Bravo! C'est pas mal, merci. Bravo! Monsieur Narine Mucus, 19,16 litres!
20,89 litres. Et ouais, elle m'a bégué là-bas. Allez, balance la sauce. Quoi ? 16 litres ! C'est ah une ouais, catastrophe ! Le pire non candidat du camp. Anna Trudeau, 18,18 litres. Monsieur Karim Beida, comment ça va, Karim ? Ça va très bien. 3 litres ! Madame Camélia Coste, comment ça va, Camélia ? Ça va, vous êtes trop élégant aujourd'hui, monsieur. C'est vrai, vous êtes magnifique, Camélia, vraiment. Vous êtes vraiment magnifique. Je suis extrêmement déçu. Viens, 16 litres, Camélia, je suis vraiment dégoûté et abattu, je suis en dépression. Ouais, j'ai trébuché, je vous ai vu, j'ai trébuché. Stéphanie Enlele, comment ça va ? Mais parce que moi, ça va et vous ? Très bien. Bon, c'est... c'est très dur, c'est pas grave, c'est pas grave, bravo, bravo. Monsieur Douglas Memphis. Lui-même. Lui-même, attention, j'étais à l'œil, toi. Pas motivant, hein, 14,67 litres. Abby Bocher. Y'a combien ? 18,16 litres. Ah non, il a fait 22 là-bas, c'est pas si cool. Monsieur Tom Lewis. 19 litres, toujours en tête, Jack. Ah oui. Tout va s'arranger. Comment ça, tout va s'arranger ? Les caméras l'ont vu, la tout va s'arranger. Je n'ai pas triché. Je vous assure, c'est, il y a méprise. Ok, attends, je vais fouiller, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Je pouvais ça gagner sans tricher. Zéro ! Mais comment ça, zéro ? Mais c'est pas ça, ça ! Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Non, il y a méprise. Il y a méprise. Je te cache pas que je suis un peu dégoûté que t'aies gagné, je t'apprécie pas trop. Mais moi, ouais, en fait, ça me blesse, en fait, c'est que tu dises des trucs comme ça, tu sais, genre, surtout que moi, je suis venu ici parce que... Bah, ouais, c'est vrai un peu que tu as sucé fort d'un coup, là. Bah ouais, je m'attendais pas à autant de stage, là. Oh lolo. Voilà, Jacques, vas-y, brandis-le. Les gars, un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Vous pourrez pas l'éliminer ce soir. Les gars, je suis intouchable. Félicitations. Les gars, je suis intouchable. Les gars, attendez deux secondes, placez-vous allez, tous derrière allez, vos caisses. Il va y avoir un top. Au bout du top, ça commence. Qu'on lance le top. 3, 2, 1, go. Allez, go, 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 go. Arrête de me pousser, arrête de me pousser, arrête de me pousser. Merde, c'est bon. Quoi ça? Ah, ça pue. Tu connais, c'est pas de la merde. Je vais me mettre à droite, y'a personne. Mais le vieux, il trace, c'est quoi ses capacités physiques? Non. J'ai perdu ma boue, putain. Merde. Oh putain, allez, je dois recommencer, non. Oh non les gars, j'ai chié de fou. C'est bien Hakim. Ça se voit passer, Philippe. Allez Axel, c'est physique tout ça. Hein. J'ai un peu de retard. Je crois que j'ai une crampe. C'est la catastrophe. Ça pue ce merdier là. Je recommence, c'est pas grave, je me laisse pas déconcentrer. Allez Philippe. Il reste 30 secondes, 30 secondes. Bah oui, bah oh, oui. Oh putain, il me pousse tout. Ça me fait racer. Ça va être chaud de gagner là. Let's go! C'est physique, hein? Let's go! C'est physique, ouais. Bon, c'est quand c'est bon là. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, 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 stop. Tout le monde s'arrête. Stop, 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 stop. Axel, ça va? Axel, mais aidez-le, on lui dit. Les gars, je vais chacun fouiller vos bacs. Et je vais vous montrer combien la quantité que vous avez réussi à mettre dedans. Monsieur Ousmane Dembélé, comment ça va ? Bah au top, hein, toujours. Hein. 20 litres, 0,3. Monsieur Hassan Satama. Ah 0 litres, monsieur a tout fait tomber. Monsieur Richard Pastel. 24 litres! Incroyable! Richard Pastel qui est pour l'instant en tête. Axel Leray. 26 litres 50! Mais non, mais c'est une folie! Mais c'est pas possible! Mais non, mais. Monsieur Jacques Boulon. Moi, mon son était pas à moi au début donc. 18 litres 93, pas mal! Mais c'est toujours Axel qui est en tête. Monsieur Pierre Carré. Comment ça va, Pierre? Bah écoute, ça va super, ouais. 6 litres 6 litres. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Ah, on n'a pas forcément été super rapide sur ce coup-là, mais... Madame, pardon, Alba Nana. 8 litres, une incapable. C'est bien. Philippe Salamanca. Ouais. Ouais, Philou. 27 litres, 48. Bah attendez, là, si je me trompe pas... Monsieur Philippe Salamanca est absolument premier pour l'instant. Pour l'instant, il gagne l'épreuve. Victorine Delacour. Bon, c'est pas une épreuve faite pour vous.
quoi d'eau. 14 litres, je me suis pas trompé. Monsieur Vin Savage. Oh ouais. 12 litres, c'est une catastrophe. Madame Chiara Annette. C'est encore pire. 14 litres, nul à chier. Et monsieur Patrick Burnel, comment ça va, mon bon Patrick? Oui, ça va très bien. Excellent, tu sais que je t'apprécie beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Toujours la bonne humeur. 17 litres 94. Monsieur Philippe Salamanca, veuillez me rejoindre s'il vous plaît. Attendez, il y a un rebondissement. J'ai le même problème, hein. Écoutez-moi s'il vous plaît, chut. Le staff a détecté de la triche auprès de monsieur Philippe Salamanca. Je décline, je n'ai pas triché. Monsieur Philippe Salamanca a mis de la boue alors que j'avais dit stop apparemment. Monsieur Philippe, retournez à votre bac. Les règles sont les règles, je suis intransigeant. Le nouveau gagnant, l'outsider, monsieur Axel Leray, vraiment, venez ici, c'est incroyable, je comprends pas comment il a gagné. Venez ici, Axel, s'il vous plaît. Allez, venez. Oui, remettez-lui le trophée, s'il vous plaît. Remettez-lui le trophée. Un maximum de bruit pour Axel, qui ce soir sera invincible au moment des votes. Bien trop rapide, Axel. Brandissez le trophée. Bravo, Axel, bravo. C'est la testo. J'ai gagné. Ah ouais. Bravo Axel, bravo. T'as trouvé combien d'argent? Mais what? C'est quoi? Tu sens pas assez pour quitter les Survivors, je le dis. Ah ouais? Ouais. J'ai un tas d'oseilles, un tas de fric. Bouge surtout pas. Tu dois pas bouger. Tu dois pas bouger, j'ai vu ça dans l'émission. On doit se trouver en face à face avec l'ours. Et crier. 3, 2, 1. Balancé sur une toile d'araignée, c'était un jeu tellement. Il aime bien les comptines, tellement amusant que tout un coup, un troisième éléphant, patoum. Il a faim, le bâtard. De la coque, tu crois? Ben pourquoi pas. Ok, mais vas-y, de la coque au sol. Vas-y. Petit. C'est un steak. Miam miam, le steakos. Tu vas te régaler. Oh là là. C'est bon. Il est en train de s'éteindre. Doucement. Il va pas être deux fois comme ça. Ouais, mais il y avait d'autres gens et je crois qu'ils t'ont. Arrête. Ouais, je te jure, faut qu'on y retourne vite. Ils ont donné de la cocaïne à un ours, mais faut les enculer, eux. Ils ont vraiment donné de la cocaïne à un ours. Faut vraiment du bois, massivement du bois. Les gars, moi je me charge du feu. Pouah, le corps de fou, les jaunes, les rouges. Non, les gars, les rouges. Il nous faut du bois. Les rouges, c'est sérieux, c'est du sérieux. Ah, c'est cassé l'autre. Je suis seul à l'avoir vu. Là. Attends, y'a quoi? Y'avait de la cocaïne. C'est de la coke? Hein? Mais je déconne pas, regardez, attends, je vous la pose là. Merde! Les caméras cachées! Cachées! Ne dites pas que c'est moi qui l'ai têche de ma poche! Je suis un peu gêné. J'ai perdu sur la plage un truc. J'ai perdu quelque chose, je sais pas, une sorte de. C'est le sucre en poudre, on l'a trouvé là? Sucre en poudre, c'est... vous avez trouvé du sucre en poudre? Ouais. Tu sais qui l'a trouvé? On a tout pris quoi, on a tout goûté. Ah non, mais qui a goûté? Je crois qu'il en reste là-bas un peu sur la plage. Ok, toi c'est sûr, c'est toi qui l'as récupéré. Écoute, tu m'entends? Oh. Je suis un serpent. Oh non, ne me dis pas que t'as pris le sucre. Mais frère, je suis un serpent. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un serpent. Putain. Voilà. Écoute-moi. Oui. Tu me parles? Ok, c'est bon. Tu me parles? Oui, j'ai perdu du sucre sur la plage. Tu l'aurais pas vu par pur hasard. Oh, pire. Okay, du sucre. Oui. Genre, verser sur le sucre.
tu veux récupérer ton sucre là? Oh, je cherchais les poissons. Ouais, tu peux me le redonner s'il te plaît? Si tu l'as pas consommé. Vas-y, je te suis. Est-ce qu'avec ce genre de sucre, tu peux faire des... Je voudrais un donut sucré en sucre. C'est bon, j'ai fini de digérer. J'ai fini de digérer là. Ah, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Tu le refais, ok. Non. Merde, je sais pas où j'ai mis, j'ai oublié, j'étais foncé. T'as dit quoi? Non, rien, j'ai dit que je l'ai caché, mais. Putain, j'étais foncé, je sais plus où j'ai, putain. Mais tu peux pas arrêter de parler dans ta petite moustache prépubère là? Tu peux me dire ce que tu dis là? Je sais pas où j'ai caché. Je te le rends, mais par contre, tu mets bien mon camp pour réparer ta connerie de merde. Viens, je vais te montrer un truc. Ok, je te suis. Allez, viens là. Je te porte. Putain, t'es léger. Ouais, attends, quoi? Petit cul, là, je peux tout voir là d'ici. Ah oui, c'est vrai. Je fais du sport un peu, t'aimes bien? En ce moment, j'essaie de prendre soin de moi. Tu vas à la natation ou pas? Ouais, je vais à la natation tous les jeudis. Oh, j'adore, tous les jeudis, tu vas avec qui? Avec un mec qui est un peu attiré. Bah d'ailleurs, c'est lui qui me donne mon sucre. Ça commence par quelle lettre, son prénom? Son prénom, Z. Et après? A. Et après? G. G? Zag? Ouais. Et après? Z. Zags. Après? O. Zo. Et après? Z. Xobz. Et après? O. Xobz. Et après? Et après Z. Zagzobzobz. Et après O. Et après O. Zagzobzobzibio. Et après Z. Zagzobzobzobzizo. On dirait pas, tu fais le générique de Oggy les cafards. Il faut que je te dise un truc. Regarde. Vas-y, pose-moi parce que déjà, t'as raison. Je commence à avoir la Je vais être sérieux, ce que j'ai fait, c'est un peu irresponsable. Okay. Sur ton île, il y a un endroit secret. Tu m'y amènes, je te donne la coke. Voilà. Non, je m'en demande trop, ça va vous le trouver. Moi, je veux pas. Ouais. Deuxième truc, ici, ça s'appelle la colline ensablée. Et quand tu restes plus de 30 secondes, et bah y'a quelqu'un qui vient te rencontrer. C'est vrai? Ouais. Tu vas trouver cet endroit et si tu restes ici, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un et ça va t'apporter des choses, ok? Ok, bon, bah, je bouge pas, alors. Allez. À demain, je te ramène ton sucre. Ta mère! Je suis gentil. Petit ourson. Assis le nounours. Assis. Allez, gentil. Pas bouger. Voilà, c'est bien. T'es un bon nounours. Putain. Attends, j'ai trop envie de voir ce qu'il va raconter au camp. Là, il va retourner au camp. Mais là, t'es encore sur la colline. Mais s'il te plaît. Ça fait déjà 15 minutes que j'attends là. Mais il est malade ce mec! What? Non, eux c'est trop. Ils sont en train d'allumer le feu. Ah, ils essayent d'allumer le feu avec des silex! Pour allumer le feu, je vous explique. Soit tu trouves un objet qui te permet d'allumer un feu, je sais pas. Boîte d'allumettes, briquet, nanani. S'il y a pas, tu dois te démerder sur l'île. Et du coup, sur l'île, il faut que tu trouves des silex et que tu essayes d'allumer. Mais par contre, ton camp sont beaucoup trop forts par rapport à l'autre camp, je suis choqué. Vraiment? Mais votre camp, je peux pas t'en dire plus, mais vous êtes vraiment très bien organisé, je vous fais vraiment bravo. Attends, mais j'avais jamais vu. Putain de camp, chef. C'est quoi ce putain de rasage sur ton torse? Putain, t'as pas un t-shirt? Non, j'ai capté, c'est le V pour victoire. Bravo, bravo, voilà, bravo. Voilà, V pour victoire. On est parti sur de mauvais poils, toi et moi. Ok, d'accord, c'est bon. Allez, dis-moi. Ok, je vais arrêter de parler en wesh, d'accord? Je vais parler en wesh. Vas-y, dis-moi. Tu peux couper la caméra? Il faut que je vous parle un peu à Mathieu, sans voir un peu. C'est de filmer, alors je coupe pas cette putain de caméra. Excuse-moi, tu parles avec un glaire dans la gorge? C'est quoi ça? Bah c'est pas grave, je vais lui parler sans la caméra, tu peux t'écarter 30 secondes, t'inquiète, je vais. Je vais parler 30 secondes, vas-y, viens. Ah. Écoute, je suis en train de crever, je suis à deux doigts de crever, d'accord, ok? Tu nous as dit que t'es un tricheur, donc certainement t'as... Moi je suis un tricheur? Ah non, je suis absolument pas un tricheur, au contraire. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que moi je suis un tricheur. Tout ce qui est ici, c'est la prod qui a été payée par le cartel. Tu veux une prod? Cartel de quoi? Elle influence Hussein. Regarde ça. Elle est ouais, et j'en ai une double, au cas où, hein, c'est de me baiser. Mais quoi? C'est quoi dessus?
Donne-moi de l'eau avant que je balance tout à la prod. Et que quand je sors d'ici, je vous colle à tous un procès. Et je fais en sorte d'oublier que comme quoi j'ai putain de soif parce que tout le monde s'en bat les couilles de putain que je suis en train de mourir là tellement. Et qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je veux une bouteille d'eau, c'est tout. Et simplement que tu fais en sorte d'oublier un peu que j'existe. Ok, mais regarde, je vais te poser une question. Là, si je t'aide pas, tu vas faire quoi? Écoute, j'ai des contacts. Cartel de Cali, cartel de Cala, cartel de Cala. T'es un influenceur. La plus grosse dinguerie que t'as fait à un cartel, c'est quand t'as mis pause sur Narcos, quand t'étais sur Netflix. T'as rien fait de plus que ça. Et gars, je vais te dire quelque chose. Tous tes amis sont partis boire et se bouger le cul. Moi, là, pendant ce temps-là, je vais devoir annoncer une épreuve et t'auras absolument plus de force. Tu vas servir à rien à ton équipe. Ton équipe, okay. Ils vont voir que tu vas leur servir à rien. Ils vont tous vouloir voter contre toi. Donc t'as intérêt à te bouger le cul parce que sinon tu sors ce soir. Oh là 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 là, trop fort. Oh c'est cool. Eh bah dis donc, félicitations, vous avez réussi à faire un feu. Franchement, vous êtes vraiment bien organisé, je suis choqué. Les rouges, mais attendez, mais par contre l'autre trou du cul, il est toujours pas rentré. Il est où l'autre trou du cul? Il a quoi dans sa main? What? Mais en fait, il fouine là, il veut pas rentrer, il fouine. Je vais l'entendre comme ça. Attends, mais il a fait un geste en mode on va se battre? Bonjour monsieur Le Bourri, je ne parle pas le langage des signes. Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez me raccompagner à ma base, je vous en supplie. Aidez-moi monsieur Le Bourri, j'ai toujours su que vous étiez proche de l'homme. Vous êtes aussi intelligent que nous, je le sais. Alors s'il vous plaît, portez-moi le plus de force. Mon souffle. J'ai pris un peu de sucre, c'est vrai. Oh non, désolé, je voulais pas. Wesh, Gori, tu dois quoi? Vous m'avez embrassé. Ceci dit, c'était pas si mal. Mais bon. Oh, tu vas trop vite. Oh, mais t'es surpuissant, monsieur le gorille, vous êtes surpuissant. D'où sortez-vous cette force herculienne? Oh, la force. Oh, j'aimerais tellement voir ce que ça donnerait dans un lit, toi et moi. Lâchez-moi. C'est par là-bas. Mais vous tournez en rond, monsieur le gorille. Oui. Là, c'est pas grave, je vous en veux pas. Oh, quand vous courez comme ça, vous êtes si sexy. Oh, le cul. Oh, le cul de gorille. Oh là 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 là. Oh là là. Si je l'aide, Inox, c'est parce que c'est moi qui l'ai ramené dans ce bourbier. Je sais pas, vous savez quoi? Moi, je suis en moto. Ah! C'est bon, je me casse! Voilà, l'eau du lac, tu comprends ça? Ils savent où notre camp, ils savent où c'est. Vas-y, tranquille, coupe la caméra 2 secondes, dis-nous l'eau, c'est là-bas, et c'est bon. Frère. Mais comment il sait pas où est l'eau du lac? Il leur a pas dit Snaku! Mais normalement, il doit trouver l'eau, il doit le dire à tout son camp, c'est une ordure! Je vais 20 au bon matin, d'un 20 devant de Banks. Ça va? Ça va. T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il a? Et là, on essaie de trouver de l'eau, mais le caméraman, qu'il joue avec nos couilles, j'ai l'impression. Mais vous foutez de ma gueule, vous savez qu'il y a un membre de votre clan qui avait trouvé de l'eau. Mais pourquoi il vous a pas dit où c'était? Je sais pas, c'est une pince là. Je pensais savoir où c'était, mais il sait pas où c'était. Je reviens tout de suite, si tu me fais confiance, tu m'attends ici. Ok. Non, je vais pas leur dire, juste me casser, je vais plus jamais revenir. Non, je rigole, c'est pas le truc de chien. Non, je vais juste leur dire la direction du truc et après ils se démerdent. Alors la source, elle est où? La source. Putain, mais ils sont loin de fou, je crois. Ils sont loin de baiser de la source, je crois. Ok. Ouais. Vous avez 3 minutes pour trouver l'eau. Elle est par là-bas. Vous voyez la direction que je mets? Elle est par là-bas, en haut d'une colline. Ok, vas-y. Okay, tout droit. On va couper ça du montage. Ouais, faudra couper ça, c'est des gogoles. L'épreuve est basée sur le saut en parachute. Vous allez sauter chacun votre tour en parachute. Et plus vous arrivez au centre de la cible, plus vous rapportez des points à votre équipe. L'équipe qui a le plus de points gagne un objet qui va vous faciliter énormément dans votre aventure sur votre île. Vous gagnez une boîte d'allumettes. Ouais, comment ça? C'est compris pour tout le monde? Ouais, on va le faire. Oh, ça va être incroyable. La zone du milieu, ça rapporte 200 points. La zone verte, 130. La zone bleue, 90. Et après, je crois, c'est combien? Il m'avait dit c'était combien? C'est 50 points. Ouh là 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 là, ok. Le premier saut. Attends, on voit pas, il est arrivé où? Ok, bleu. Bleu. Ringo, 130 points. Ok. Oh,
Oh, bleu aussi, 130 points, incroyable. Ça c'est Camélia. Ça c'est Camélia. Ok, ok. Elle va où l'autre? Elle va où? Ok. Aïe 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 aïe. Oh, noir. Aïe 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 aïe. Noir c'est 50 points. Attends, elle est tombée dans l'eau. L'autre elle est tombée dans l'eau. Ok, 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 ok. Oh, vert. Bravo à toi. Merci. Oh, incroyable, Clark. Je suis un professionnel, je fais du parachute avec papa tous les Très fort, minutes. Allez, va prendre le bateau, s'il te plaît. Merci. GG à toi. Alba, Alba qui saute. Ok, ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas... Il a chié. Il est où Péfut? Il a sauté. Je vais prendre sa peau. Elle est tombée dans l'eau. Elle est tombée dans l'eau, ce trou du cul. Mais là, elle est tellement loin. Mais il est où? Le cible, elle est là-bas. Inox? Après, il bug comme ça, il est en problème de coup, quoi. 90, bleu. Ok. Montez sur le bateau, les... Jax Pardoub. Il est nul à chier. Allez, Grim, monte-nous. Montre-nous, Grim. Montre-nous, Grim. Tu peux le faire. Attends, mais il va où? Il rentre à l'île. En vrai, attends, pas mal. Zéro point, elle est tombée dans l'eau. Ok. Ah, j'étais si près du but. Ah non, pas. Ah non, mens pas. Nous mens pas, s'il te plaît, frérot. T'étais tellement loin du but. Ok. 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 Anna. Ok. Ok. Pas mal. Mais ça, c'est pas un rond-point, hein. C'est pas un rond-point. Mais c'est pas un rond-point, hein. Qu'est-ce que tu fais? Oh, Richard, pas mal. Ringo qui commence à mettre une raclée. Jacques Boulon, 200 points. Oh, incroyable. Oh. Allez, monte-nous, Billy. Monte-nous, Billy. Oui. Eh, hey, tu putes ta grand-mère. T'es éteint. Kamel, montre-nous. Montre-nous, petit geek. Aïe, ah, il va flop. Aïe, aïe, aïe. Ah non, quoique. Attends, s'il a le temps de... Attends. Oh non, il est passé en mode rond-point. Il est passé... Ringo. Dans le mille. Alors venez, on s'approche Ringo. De l'équipe. Oh là là là, mais quelle équipe, quelle équipe, Ringo, quelle équipe. Venez les amis, on s'approche de l'équipe jaune et on fait What the color? Et on dit Red. Attendez. Ok, ok, allez, deux secondes, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez vous rapprocher et je vais prendre votre capitaine devant votre groupe, s'il vous plaît. Donc rapprochez-vous et votre capitaine, que le capitaine me suive. Donc du coup, Ousmane Dembélé. Ringo a gagné l'épreuve et aura le droit à la boîte d'allumettes. Bravo à eux, s'il vous plaît. Est-ce ouais, que... bravo. Bravo à eux. Bravo. Les allumettes. Bravo. Merci. Ouais, bravo les blous. Ils ont payé la prod. J'ai une info en plus à vous donner. Les jaunes ont essayé de tricher et ils ont perdu. Voilà, c'était ça l'info apparemment qu'il fallait que je transmette. Tenez, c'est pour vous. Félicitations, boîte d'allumettes. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez me partager les allumettes, j'en ferai beaucoup meilleur usage que vous. Non mais, écartez-vous s'il vous plaît, François Pignon à gauche, s'il vous plaît. Mais les allumettes, c'est ma passion. On a un cri de guerre ouais. À vous faire. Ouais. Ok, vous êtes prêts, l'équipe derrière? Ouais. What's the color? Red. What the color? Red. Voilà, c'est bien joué l'équipe. Allez, ciao les losers. Allez, on y va. Michel, ça va? Un peu d'énergie en moi. Les gars, félicitations à vous. Vous avez la boîte d'allumettes. Monsieur Mathieu, une saucisse. Oui. Un pâté. Mathieu, une saucisse. On veut ta saucisse. On veut ta saucisse. La saucisse. On veut ta saucisse. Reposez-vous un peu. Dans 10 minutes, on vient vous chercher pour les votes. Ok, réunion tout le monde. Réunion. Réunion. Vous allez.
Je dois y aller, monsieur, je dois y aller. Excusez-moi. Oui, 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 oui. J'ai trouvé un truc qui est doré. Je sais pas à quoi ça sert. Vous pouvez me montrer, s'il vous plaît ? C'est posé par terre. Je vais aller voir. Je vais... Attends, on va aller voir. Hein ? Ah, c'était à moi. J'ai fait 130 aussi. J'avais. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu, oui. on a besoin d'une équipe médicale. On a une personne là-bas qui est tombée dans les pommes. Voleur ! Voleur ! Qu'est-ce qui se passe ? Venez, il faut que je mange. Il faut que je mange avant de mourir. Non, pas toi. Aïe, ah bon, tu veux que je m'assoie sur toi? Je suis vraiment dégoûté. Ah bah oui, pas de soucis, attends, bouge pas. Allez, qu'est-ce qui se passe? Tenez, je vous le redonne, c'est bon, arrête de gueuler. Donc là, je vais laisser Jack prendre la parole et il va essayer de nous regrouper en duo, trio, quatuor. Pour justement ramener des ressources et savoir ce dont allez, on a Jack, besoin. Vas-y. Allez, avant ça, je tiendrai juste à rajouter que Narine serait un très bon trésorier au niveau des ressources. Donc nous, on ramènerait des ressources comme des robots. Voilà, ils sont enfin organisés. On a besoin de plus de bois, plus de pierres, un peu d'organisation, les jeunes. Jack, lui, ferait les équipes. Voilà. Si je peux me permettre. Là, dans un premier temps, ça va être genre un couteau et du feu. C'est les deux principales ressources qu'il nous faut, ok? Puisque, je vous rappelle, le couteau va nous servir en fait à dépecer les animaux, okay, qu'on pêche et qu'on ramasse. Le feu va servir en fait à cuire ces denrées. Donc le principal objectif, ça va être de se focus sur la récolte des ressources qu'il nous faut pour faire un feu et ce fameux couteau. Ensuite, moi, ce que je vous propose, et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de ne pas faire cavaler seul. C'est-à-dire que les gens qui partent tout seuls de leur côté, ils ont attendu maintenant pour être organisés. Ils peuvent ramener très peu de choses. Il aura fallu une gifle pendant les épreuves pour se rendre compte que ça y est, fallait se réveiller. Ah ouais, il y a déjà des échos. Ah, j'ai cru entendre des choses, mais après, je sais pas si. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Toi aussi, t'es en galère de bois. On parlait de vote, Richard. Ah oui, et c'est quoi même que vous disiez ? Il fait déjà nuit, il vaut mieux en parler un petit peu quand même. Non, bah, on disait que. Qu'on n'avait pas encore trop d'idées, mais que moi je pensais y aller à l'affinité, et vu que c'est le premier vote. Il y a des animaux là, il y a des animaux sauvages. Hein. C'est-à-dire ? T'es sûr ? T'entends pas le guépard, léopard, je sais pas ce que c'est. Non, j'entends pas. T'es sûr ? Ah, les gars, je peux pas ! Attention ! Oh, il a une hache, incroyable ! Wow ! Il est avec sa raclée ! Mais il se parle même pas. Okay. Ok, attends, bouge pas, je récupère. Ta mamie branche plus. Il y en a qu'une, ouais. C'est une par une. Mais comme ça, il y en a qu'une, c'est pas normal. Normalement, quand ils doivent couper du bois dans un arbre, ça leur ramène grave du bois. Ça te dit pas, on fait la paix un peu ? Mais comment ça, on fait la Pourquoi paix ? T'as peur de quoi ? Bah non, parce que j'aime pas. Wow. J'aimerais pas me prendre un coup de hache mal placé, tu vois, c'est tout. Oh, mais attends, mais. Vas-y, moi, je suis chaud pour faire la paix, désolé, c'était ma faute en plus. Mais attends, mais c'est un manipulateur, il veut voter contre elle. Mais c'est quoi ce manipulateur ? En fait. J'avais peur d'être sur la sellette vu que je viens d'arriver et je voulais une proie facile et j'ai pris toi. Mais c'est méchant de ma part. Ah, ce qui est méchant, c'est me qualifier de proie facile en fait. C'est ça qui est méchant. Mais, c'est la seule personne où j'aurais pu mentir sur un truc. Quoi. Ok. Bonsoir, me fait plaisir de vous voir tous ensemble. Bonne je viens chance. Pour vous donner des infos en plus. Ne négligez pas, bon vous l'avez pas fait mais je vous fais quand même le rappel. Ne négligez pas le sommeil, la soif et la faim, les trois. Si vous ne dormez pas assez, si vous ne buvez pas assez, votre énergie descend. Si votre énergie descend, vous avez plus de force. Pour l'un d'entre vous, en tout cas, c'est ces derniers instants sur l'île. Ok. Super. Bon, désolé d'avoir niqué l'ambiance, mais... Merci pour l'ambiance. Non, vous inquiétez pas, elle était si parfaite. Allez, écoutez, avant qu'on parte, j'aimerais qu'on fasse un jeu et on s'en rappellera tous. Est-ce que vous connaissez le jeu où on dit un mot ? Par exemple, je dis carotte et il y en a un, je dis pas de mots. Et il doit se fondre dans la masse et gagner sans mots. Par exemple, regardez, une fille, je lui dis carotte. Undercover, vous connaissez Undercover ? Est-ce que vous êtes chaud, on fait un Undercover avant qu'on se sépare tous, les amis ? Vas-y, on la dalle quand même. Oui, on a faim, on est en train de faire une canne à pêche là. Mais on s'en fout, les amis, on va tout revenir. Il y en a un autre qui va partir. Le pouvoir de l'amitié va nous nourrir. Je vais vous dire tous un mot, et à une personne, il n'y aura pas de mot. Ok ? Et donc, le mec qui n'aura pas de mot, il devra trouver le mot que les autres ont. Par exemple, Fifi, vous connaissez pas ton mot c'est carotte. T'as abusé. Hassan, ton mot c'est carotte. Et à côté, Babane, elle a pas de mot. Par exemple, Fifi, tu dois dire un mot qui est à côté de carotte, mais sans qu'on sache que c'est carotte parce que l'undercover doit pas savoir le mot. On commence par celui qui est le plus à droite. Viens avec moi, Banane. Bon,
Je dis le mot. Allez les gars, c'est l'heure du conseil. C'est l'heure du conseil. Les gars, c'est l'heure du conseil. Allez crever. Allez les gars, c'est l'heure des votes. C'est l'heure des votes. Mais non, on allait faire un jeu. Eh ouais, je nique l'ambiance. C'est l'heure des votes, c'est fini. Putain, mais ça allait être incroyable. Je rigole, c'était pas l'heure des votes. C'était pas l'heure des votes. On l'a fait. Non, non, mais ok, allez. Il faut qu'on mange, les gars. Il y a des gens, ils meurent de faim. Il y a des gens, ils meurent de faim. Tu veux jouer une heure couvert. Tu vas dire non, pas loup-garou là. Allez. Ça va, vous allez bien? Ouais. Ah, vous essayez de faire du feu? Ah, si tu peux commencer à allumer le feu, ce serait sympa. On était oui, ce serait déjà pas mal. On pourrait bien avancer avec la soie. Mais je suis pas là pour allumer votre feu, vous êtes des malades ou quoi? Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Et vous, Mathieu? Bah, très bien, écoute, ça raconte quoi? Bah, en fait, on se les gèle à mort. Ouais, bah ils sont en train d'essayer d'allumer un feu. Si vous voulez les aider, ça peut être utile. À part si vous parliez d'autre chose de plus sérieux, peut-être. Non. Jamais. Oh, ça va faire de la stratégie. Non. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font une balade dans la forêt? Une vingtaine environ. Non, mais eux, c'est trop le pouvoir de l'amitié. J'ai des infos. Ouais. Ils ont des doutes sur Fifi. Oh. Parce que Fifi a triché dans une épreuve. Non. Et deuxième truc, Fifi a ramené 60 de bois comme si de rien n'était en une minute. Du coup, il soupçonne Fifi de cacher des trucs pour faire genre qu'il y a des trucs dans le coin. Putain, les bâtards. Je pense que je vais mettre mon vote sur Patoche parce que j'ai eu beaucoup d'échos qui faisaient rien au camp. Ah, voilà. Même. En tout cas, voilà, faudra qu'on prévienne Fifi. Oh, shot l'OM, oh, shot l'OM, oh, shot. Oh, chiotte l'OM, oh, chiotte l'OM, oh, chiotte. Exactement, mais aidez-moi, monsieur, mais s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop froid pour avancer, portez-moi, s'il mais vous plaît. Mais j'ai une vraie question, regarde, je te parle deux secondes. Si t'as froid, t'as plus de force, machin, pourquoi tu viens récolter du bois? Je voulais aider mes frères. Mais va dormir, récupère des forces, va dormir. C'est compliqué de dormir, sur l'île, il y a une nymphomane. Mais c'est qui cette nymphomane? Essayez de regarder par vous-même, vous allez vite comprendre. Je sais juste qu'elle est nymphomane et qu'elle s'arrête jamais de toucher mais les poils. Mais allez-y, vous allez oublier votre femme. Non mais j'y suis allé, mais c'est passé trop vite. Ça a été trop vite quoi, je vais pas vous faire un dessin. Mais comment ça? Bah regardez mon froc quoi, il y a encore des traces. Oh non, ça me dégoûte, mais vous me dégoûtez, monsieur François Pignon. Allez, viens là. Oh, j'ai le vertige. Oh, mais ton froc, il me dégoûte. Ça sent mais tellement mauvais. Je vous revaudrai ça, monsieur, le présentateur. Ah, pas de soucis. Et tout le monde chante. Oh, chiotte l'OM. Oh, chiotte l'OM. Oh, chiotte. Mais qu'est-ce que t'as, toi? François, il y a du feu, bouge-toi. Il y a du feu. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il y a du... Bah, je vais lui dire. Il y a du feu, ils ont réussi à faire du feu, dépêche-toi. Oh génial, c'est un peu grâce à moi, j'ai tout ramassé. Oui, bah vas-y, là, ils ont réussi à faire du feu, il y a bientôt les votes, donc dépêche-toi. Le feu est revenu, on a les droits. Allez, va au bateau, va au bateau. On a le droit, ça réchauffe, ça fait du bien par là où ça rentre. Magnifique. Allez, va au bateau maintenant. Mais frérot... Pardon, je suis là, pardon. Ah, t'es le caméraman, toi? El Hamar! Oh, mais t'es malade! Mais ça monsieur va Mathieu! Pas. Oui! Allez, on va les chercher, je vous assister. Oh, les deux! Venez! Allez! Vous allez devant la couleur de vos clans respectifs et vous allez déposer le vote souhaité du mec que vous voulez éliminer. Et après votre vote, et bah, vous allez chacun du côté de votre couleur, jaune à droite et rouge à gauche, c'est compris? J'ai pas compris, faut aller où? Jaune à droite, rouge à gauche. Vraiment, c'est expliqué. Là, tu vois bien jaune. Là, à droite, là, moi ouais, je vais à y a droite. Il y a, oui. y a des troncs, tu peux t'asseoir dessus. Là-bas. Ah, on s'assoit là, on se vote oui, pas? Si. Il m'y comprend rien, je demeurais. Regardez, monsieur Mathieu, il va faire une démonstration. Tu regardez. Votes complètement débile. Et après, tu votes, et après, tu vas t'asseoir. Ah, d'accord. À gauche? À gauche, t'es rouge. Là, moi je mets dans ce coffre-là? Ouais. Ou celui-là? Non, le rouge, à gauche. À gauche? Mais non, mais tu me trolles. Lui? Gauche! Je vais péter un plomb. La gauche, la gauche. Gauche-droite, tu vois, c'est où?
Ouais, attends, c'est bon, j'ai posé. Monsieur, comment j'ai plus d'énergie pour... Mais non, cache. Mais qu'est-ce que tu fais? Cache, tout le monde va voir ton pote. Mais enfoiré. Ils arrivent pas à cacher. Monsieur Mathieu, vous embêtez pas avec ça. Laissez-les pour... Mais pourquoi vous... Ah, vous montrez votre... Mais je fais pas exprès, je vous jure. Non, montrez pas ça à la télé. Je vous en supplie. Comment on pose ce putain de papier? Arrête de zoomer. J'en peux plus. Mais après, si tu mets dans ce sens-là, tout... Je contrôle pas mes musiques. Excusez-moi, monsieur Mathieu. Attendez deux secondes. Monsieur Mathieu. Oui. Vous n'êtes qu'une sale garba. Oui, merci. Non, mais je n'ai pas l'eau, je vous en supplie. Non, mais si, c'est pour tester si ça te fait nager. Frappe-moi. Attends, mais va dans l'eau. Attends, vas-y, descends. Tu vois ce que je fais ou pas là? Mais frère, tu vois ce que je fais ou pas? Regarde ce que j'en fais de ton papier de merde. J'en ai marre. Descends, je t'en supplie. Clique dessus. Enfin, nique sa mère, elle clique dessus. Oh, c'est bon. Mais me dis pas que depuis tout à l'heure t'as pas cliqué dessus. Ok, c'est bon. Mais non, mais là tu te fous de ma gueule. Mais quoi? Mais c'est toi qui as appuyé sur l'item, c'est pour ça que tu le montres. Hein? Premier vote pour les rouges, Patoche. Deuxième vote pour les rouges, Hassan. Deuxième vote pour les rouges, Hassan. Troisième vote, pardon. Deuxième vote pour Hassan. Ça fait deux votes Hassan, un vote Patoche. Deuxième vote pour Patoche. Ça fait deux votes Patoche. Troisième vote pour Patoche. Allez Patoche, arrête de chialer. Patoche, trois votes. Troisième vote pour Hassan. Ça fait trois votes Hassan, trois votes Patoche. Quatrième vote pour Hassan. Ça fait quatre votes Hassan, quatre votes Patoche. Quatrième vote pour Patoche, ça fait 4 votes Patoche, 4 votes Hassan. Ouais, c'est serré de fou, je suis choqué. Vote pour Hassan, 5 votes Hassan, 4 votes Patoche. Pour l'instant, Hassan est éliminé, pour l'instant. Vote pour Patrick, 5 votes Patrick, 5 votes Hassan. Il reste 3 votes. Vote pour Patoche, ça fait 6 votes Patoche, 5 votes Hassan. C'est l'ultime vote. Si c'est un vote pour Hassan, égalité. Et putain, ça me fait vraiment chier, mais on va devoir refaire les votes. Si c'est Patrick, Patrick sort. Il y a écrit E-C-A-N-E. Comment c'est possible d'aussi mal écrire? Bon, je pense que c'est un vote pour Hassan. Ah, vous allez récupérer les votes de tous les rouges à gauche, sauf Patoche et Hassan. Et en attendant, je vais faire ceux des jaunes. Ça reviendra au même. Un vote pour Lewis. Ouais, il l'a écrit sur l'item en fait. Putain, je... Camélia, c'est toi? Ah, ça doit être François. Putain, je m'approche un peu plus. Tac. François l'a vu quand même. Hein. Deuxième vote, François. Un vote Lewis, un vote François. Ouh là 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 là. Un vote Lewis, un vote François. Troisième vote. Tom, c'est qui Tom? Troisième vote Tom, deux votes Lewis, un vote François. Encore un vote pour Lewis, ça fait trois votes Lewis, un vote François. Monsieur Tom Lewis, quatre votes contre toi. Monsieur Lewis, encore un vote, ça fait cinq votes Lewis, un vote François. Douglas, un vote pour Douglas. Douglas. Mais quoi? C'est Lewis. Comment ça c'est qui? Mais François, bah on est non, bien c'est en fait, Lewis. Ah oui, non mais j'oublie toujours ton nom. Ah oui. Un vote pour Lewis. Lewis, il y a 5 votes contre toi, un vote contre Douglas et un vote contre François. Tu as la majorité, tu n'es plus sauvable. Tu es éliminé. Est-ce que Lewis peut venir ici s'il vous plaît? Vous restez pauvre et je reste riche. De rejoindre. Allez, venez, rejoignez-moi. Espèce de connard! Oula. Oh, mais vous m'avez frappé là! Mais... Espèce de connard! Mais. Oula, pardon. T'es même pas capable de gagner ce putain de jeu!
Mais quoi? Il y a deux, mais où est-ce que tu es? Connard, c'est toi qui as fait de la merde! Mais pourquoi il y a deux? Mais non, mais c'est toi qui as fait de la merde! C'est toi qui as fait de la merde! Fais capable de trouver un putain de trésor pendant que je. Putain de travail! J'ai envie de t'écraser! Mais j'ai crapahuté partout! Il y a des crottins de partout! Partout dans cette chambre! T'as de l'air de te de la famille! Trésor pendant que tu as fait de la merde! Il t'aime pas et t'as jamais aimé! Voilà, merci François! Éteins-le François! Éteins-les-moi! Voilà! Voilà, c'est ça que je veux voir! Ça fait du bus. Allez, ça dégage, s'il vous plaît, portez-les-moi et jetez-les-moi. Jetez-les-moi, s'il vous plaît. Vous avez décidé ensemble de qui vous vouliez sortir? Oui. C'est fatigant, hein. Et c'est qui? Et du coup, on a voulu éliminer Hassan. Du coup, pour la team rouge, l'éliminer, c'est Hassan. Alors attendez, regardez, il y a monsieur Hassan qui va vous dire au revoir. Est-ce que monsieur Hassan, tu as quelque chose à dire avant ton départ? Vous êtes des hypocrites. Je sais pas pourquoi vous avez voté pour moi, mais en tout cas, je vous laisse bien dans cette merde. J'en ai rien à foutre de votre gueule. Je voulais juste gagner les sous et me barrer. Bon, t'enfoiré. Oh, Pôle emploi, ça s'appelle France Travail maintenant. T'inquiète, tu vas te découvrir. Et bah, casse-toi! Tu peux fermer ta gueule, Hé, Ousmane! Va te faire enculer, toi, sale bâtard! Ouais, bien dit. Mais pourquoi vous avez pas éliminé la sentence est irrévocable, Hassan, s'il te plaît, ferme ta torche! Ousmane, c'est un hypocrite! D'accord, mais ferme ta torche, c'est fini pour toi, ça y est, c'est fini. Excusez-moi, monsieur Hassan! Allez, suis-moi! Eh, toi, ta grand-mère! Monsieur Hassan! Vous n'avez pas honte d'être éliminé avant le vieux qui est déjà mort? On reste petit! Tout ça pour lui? Tout ça pour Hassan? C'est un gros déplacement, du coup il fallait un bateau assez imposant, on ramène directement Hassan en Algérie et Force à lui dans la suite de ses aventures.